Tout ce que vous pourrez dire sera retenu contre vous. La preuve, on vous enregistre. Hop, cops, campagne. Hop là, paf, voilà. Ça, ça, c'est... Ok, donc je disais, j'ai parlé vite fait à quelqu'un d'autre qui fait la campagne en tant que joueur, et ils ont changé une règle par rapport aux attaques. À savoir que actuellement, quand on est sur les règles de combat, on fait une attaque. Si on fait des réussites, ça n'a aucun impact. Que tu fasses juste, tu touches ou tu fasses plein de réussites, ça n'a pas un impact direct énorme sur le jeu. Ce qu'ils ont fait, c'est que pour deux réussites, tu peux décaler de 1 ta localisation. Donc 4 réussites de 2, etc. Et donc ton jet que tu fais de localisation sur le D10, tu peux essayer de le diriger mieux. Et donc, par exemple, pour pouvoir, au lieu de tirer dans la tête parce que t'as fait un 10, le décaler pour pouvoir tirer dans le bras ou dans la jambe. Enfin, en gros, pouvoir mieux contrôler son tir parce que t'as fait, t'as critiqué. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça peut se tester, voir ce que ça donne à l'utilisation. Maintenant, c'est vous qui voyez. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Je sais pas. Je suis un peu un taliban des règles, alors j'aurais tendance à dire que non. Mais après, pourquoi pas? On va le faire normalement. On va regarder pour l'instant les règles de base, histoire de bien s'y habituer. Et on testera sur une ou deux parties plus tard, quoi. Pas tout de suite, tout de suite. Mais je le garde de côté pour tester plus tard. Enfin pourquoi pas le tester, hein, c'est pas idiot. Hein, en fait, le truc, c'est moins con. C'est que je suis pas sûr que vous allez sortir votre arme ce soir, donc c'est pour ça que j'ai aussi. On peut tester, hein, à la limite. Hein. Oui. On va tester sur deux gunfights, et on retestera l'ancien après, et on pourra comparer, quoi. Puis bon, tu pourras peut-être conserver ton titre de headshot plus longtemps. Peut-être. Je pense pas qu'on change de surnom très souvent, donc. Non. Mais après, tu peux le mériter ou pas. Hein. Je te laisse ton titre de headshot parce que moi, de toute façon, je ne suis dangereux qu'avec une voiture. C'est comme ça que j'arrête les suspects. Non. Toi, c'est pare-choc, toi. J'ai réfléchi à ton pseudo, hein. Fais gaffe. Hein. Je ne devrais pas trop t'en vanter. Bon. Dans tous les cas, on commence. T'as vu, j'ai oublié un truc, c'est vrai que grâce à un stage, j'aurais pu rejeter mes dés en fait, mais j'ai complètement zappé le truc. Ouais, mais c'était dommage. Plus fun de faire ça comme ça. Je suis pas sûr. Enfin, fun pour qui, quoi? Bah, le suspect a été arrêté. Bon. Je vais commencer par un mini récap historique. Attends, je vais chercher mon morceau. Previously. Bien. J'ai mes notes. C'est pas previously, juste. Là, on commence sur Guillermo à l'âge de 13 ans. Qu'est-ce qu'il y a? What the fuck? Donc, je disais, on commence par Guillermo à l'âge de 13 ans. C'est pas un previously. Guillermo, tu te rends compte que tu es dans ta salle de classe,
donc ça devrait être ouais, au collège. Et en face de toi, il y a ton vieux professeur d'histoire que tu pouvais pas saquer et qui a failli te faire virer d'ailleurs du collège. Ah, héros de putain. Collège, mais c'est high school, tout ça. Oui, école publique. Ouais. Et donc, il était en train de parler de l'histoire récente des États-Unis, de la Californie et autres. Et donc, je vais me permettre de faire en fait un mini récap des dernières années en termes d'histoire récente. Donc, sachant que j'écoutais à moitié, j'étais en train de regarder des vidéos de bagnole sur. De toute façon, ça va être assez rapide. C'est 2000. Vu que le jeu commence en 2004, je commence par 2004, année d'élection de Hillary Clinton à la Maison Blanche. Coup de tonnerre qui secoue gravement l'Amérique, exercice du pouvoir suprême par une femme. Mon Dieu, mais quelle horreur! Voilà. Donald Trump pète un câble. Voilà. 2008. Un tremblement de terre de basse intensité frappe la Californie et cause des dégâts peu significatifs sur le littoral, de Los Angeles à San Francisco. Et c'est pas le Big One. Au début, c'est... Oui, non, c'est pas le Big One ni le Little One. Ça, mais le truc, l'événement fait que, en fait, ça va dans un premier temps, comme à son habitude, tout le Californien il prend à vendre des t-shirts commémoratifs qu'à s'inquiéter. Pourtant, après, en novembre, un deuxième séisme frappe Seattle en novembre, qui détruit une partie de la ville, ainsi que une bonne partie des nombres de riches structures économiques, à savoir Boeing, Microsoft, Amazon. Donc, ça se finit en décembre par l'éruption du mont Rainier, qui vitrifie la ville de Tacoma. Bilan des catastrophes, 2500 morts, mais surtout 300 000 bâtiments détruits, et 1 million de personnes sans abri. Ça va. Voilà. La conséquence directe, c'est que la Californie commence à prendre conscience du risque réel. Du Big One. Ils font un film dessus, c'est pas grave. C'est la tentative de réélection d'Hillary Clinton qui se fait détrôner par Arnold Schwarzenegger. Naturalisé, puis élu à la Maison Blanche pour 8 ans. 2009, on continue les catastrophes naturelles qui vont plonger donc le monde occidental dans une année, dans des 15 ans de tensions sociales importantes. Émeutes provoquées par des familles, explosion du nombre de SDF, hausse impitoyable du chômage et des taux de criminalité. Et malgré tout ça, l'Amérique refuse de renoncer à ses engagements mondiaux, à savoir multiples guerres. 2002 à 2010, la mégalopole de San Francisco et San Diego, appelée aussi San, je sais pas comment on prononce, mais bon, abrite 50 millions d'habitants répartis sur une large bande de terre de 500 km sur 100. Chicano, on recense plus de 150 nationalités différentes en Californie qui luttent tous pour une place au soleil et pour faire fortune. 2012, le Québec devient libre, indépendant. Septembre 2012, la ville de Kobe et l'une des plus grandes mégalopoles industrielles du Japon est ravagée par un tremblement de terre massif, à savoir la ville est rayée de la carte. Le séisme ne fait que carrément. 1600 morts et 15 000 personnes périssent ensuite de maladies dues à la faim ou de la famine. 2 millions d'habitants sont sans abri, le plus inquiétant... On leur avait dit de ne pas faire chier des baleines. Hein. Et que... c'est le plus inquiétant, c'est qu'il y a plusieurs épidémies qui se déclarent, mais elles sont assez rapidement éradiquées par les services sanitaires japonais. Ouais. Faut dire que les services sanitaires japonais, en dehors de du nucléaire, ça rigole pas. En novembre, une énième guerre indo-pakistanaise. En 2015, le traité de la User joined your channel. De la Fédération Europa est signé, à savoir l'Europe devient un vrai État avec comme capitale Berlin. Et déclaration de la deuxième guerre de Corée. Sous l'impulsion de la Chine, la Corée du Nord s'empare du Sur, s'empare de Séoul et pousse l'avantage jusqu'à Pusan. Bon, ouais. Pour endiguer ce dernier assaut marxiste pur et dur, les Américains interviennent. Mais l'Asie ne leur réussit pas. Désespérément. Et c'était décidément. ils s'enlisent pendant 4 ans avant de signer avec la Chine une paix piteuse en laissant Pékin s'emparer de Taïwan.
Ah oui, c'est vraiment la loose. 40 ans donc après la conquête de la Lune, un Américain de 45 ans, le lieutenant-colonel Josbone, pose le pied sur Mars. Dans l'indifférence générale. Tout le monde s'en fout. 2018, bah Mars, ça repart quoi. Nouveau transfert en Bowie. Californie. Qu'est-ce qu'il y a, Kevin? Sauf David Bowie. Oui, voilà. En 2016. Voilà. Alors, il meurt en 2016, je signale. Oui, bon. Là, je vais le faire mourir avant juste pour t'embêter. Alors, 2018, nouveau tremblement de terre de faible intensité en Californie. La population reste encore sur le qui-vive et prend toujours conscience que ça les a assis sur une poudrière. 300 000 personnes quittent l'État pour s'installer au Texas. Enfin, c'est plus un gruyère qu'autre chose. Hein, mais... Point de l'émental, quoi. Et bien sûr, dans l'autre sens, 300 000 personnes donc, quittent la Californie pour aller dans l'autre sens, au Texas ou donc en Arizona. Et dans l'autre côté, pas mal de mystiques cinglés illuminés font le chemin inverse pour aller vers la grande rédemption ou le cataclysme final, source du nouvel âge d'or. Ouais. Sauf les Mormons, je présume. Ah non, il y a plein de trucs. Parce que les Mormons, ils ont pas Haïti déjà. 2021. Les membres de la secte des témoins de Jéhovah investissent l'île d'Haïti et établissent leur Éden, entre guillemets. Donc ils prennent goût de paradis. Possession de l'île et s'installent pour créer un état officiel des témoins de Jéhovah. Tous les indésirables et réfractaires sont chassés. 2026, la Californie quitte les États-Unis et devient une république. La sécession se passe sans violence, à l'exception de quelques échauffourées à la frontière. Et William Ross, l'un des héros donc de l'expédition martienne, devient le premier président du nouvel État. Sachant que quand le maire de Los Angeles et ce William Ross ont prononcé. Et William Ross ont fait un discours en citant l'un des pères fondateurs, alors je ne sais plus lequel, pour déclarer leur indépendance. Certainement Washington. Je suis en train juste de vérifier pour pas dire une connerie. Hop! La nouvelle donne. Voilà. Donc il cite la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1774. Et bien sûr, le jour de l'indépendance de la Californie a été fait le 4 juillet 2026, 250 ans après la déclaration d'indépendance. Donc il recite le texte de Jefferson. Ah oui, Jefferson, d'accord. 2027, Hawaï obtient son indépendance et sera. Ils ont payé des droits aux. Hein? Ou à la famille de Jefferson ou pas? Dans le sud des États-Unis, tension raciale, recul des droits civiques, discrimination. Bon, comme d'hab, hein, États-Unis. Non, mais ça veut dire que Trump est passé. Le prophète de la nation noire, groupe religieux activiste du sud des États-Unis, Edeon Gansberg, décide d'amener tout son peuple vers l'ouest pour pouvoir créer un nouvel état exclusivement noir. C'est une marche longue de 10 000 hommes, femmes et enfants, partis de l'Alabama et qui se termine dans la désorganisation. Un embryon d'état religieux noir a été créé dans l'Utah, mais la répression US et la pression des Mormons fait fuir Gansberg et ses ouailles en. Californie. Bien sûr. Ah oui, sinon c'est pas drôle. 2028, démembrement des États-Unis s'accélère. Constitution d'un État mormon dans l'Utah. Autonomie du Nevada, qui se rattachera qu'en 2029 au bloc californien. Sachant qu'en gros, en fait, le Nevada, exactement, ils ont obtenu une espèce, ils sont devenus une espèce de principauté, normalement liée aux États-Unis. Sauf que ils ont préféré après renégocier avec la Californie pour avoir moins d'impôts à payer. Ça rappelle foutrement Fallout quand même. La Californie hein. Originelle de l'époque de Mexico, quoi. Ah ouais, ça ressemble foutrement à Fallout, en fait. 2028 toujours. Les millions de dollars engagés dans le programme SETI portent leurs fruits. Le 5 mars 2028, le radiotélescope Ibanez au Mexique capte un étrange signal venant à proximité d'une étoile lointaine, Ursa Majoris 54. Après quelques mois de recherche et l'application d'un protocole de vérification stricte, les doutes ne sont plus permis. On n'est pas seul dans l'univers. Par contre, il y a de fortes chances que nos nouveaux amis extraterrestres ignorent complètement tout de notre présence et sont surtout hors de portée de 54 années-lumière.
C'est loin. Et tout le monde s'en fout. Non, cependant, cette découverte entraîne dans les pays occidentaux un incontrôlable mouvement social qui nourrit mysticisme, scientisme de comptoir, peur, espoir, vénération, et de nombreuses sectes et illuminées attendent impatiemment et se préparent avec méticulosité la rencontre avec leurs premiers extraterrestres. Ah, mais ce sont les Raéliens, on le sait maintenant. Parce que certains groupes se constituent en sectes, attendant l'arrivée des sauveurs dans le désert du Morave. Oh. D'autres prêchent la bonne parole auprès de leurs concitoyens, afin que les peuples de la Terre soient présents. Merlin, l'enchanteur, le grand monarque. Tout à fait. Une nouvelle pandémie de grippe arrive sur la planète, à savoir partie de l'Amérique latine. Et les scientifiques l'appellent la cassure de San Paolo, tandis que le public l'appelle la grippe brésilienne. Plus sympathique. Et, voilà. Et on va dire que c'est encore de la faute des latinos. Il sème la mort dans toutes les zones urbaines surpeuplées d'Amérique du Sud, avant de continuer son ouvrage en Afrique, en Asie, les pays développés sont atteints en moins d'un an. De nombreuses victimes sont dénombrées en Europe et en Amérique du Nord. La vaccination est chère et n'est toujours pas accessible aux plus démunis. 2030, nous y voilà. Et à ce moment-là, Guillermo, qui était à moitié assoupi, tu as ton prof devant toi qui te fait... Monsieur Guillermo. Si, le roll call, si. C'est le roll call, qu'est-ce que tu dors de sur ton bureau? Pourquoi? Et là, face à toi, tu as Lynn qui te réveille. C'est le roll call déjà, mais il est... Ah merde, putain, si, il est déjà à cette heure-là. Eh oui, mon petit vieux. Tu viens de me réveiller, ouais. J'étais en plein cauchemar. Ouais. Bah si tu conduis comme hier, ça va continuer ton cauchemar. Hein. Sérieux, qu'est-ce que tu reproches à ma conduite? Les distances d'arrêt, les distances de freinage, quoi. Alors, déjà, un, on était en situation extrême, je signale qu'on voyait pas à 5 mètres devant soi. Et deux, on était en situation extrême. Qui passe à côté de votre bureau, qu'est-ce que vous foutez là encore? On est parti, chef. Partez où? Au roll call. Alors, bougez-vous votre. Qui est refait? On y va. Bon, je pars du principe que. Ah, je crois que j'ai reçu un SMS. Je pars du principe que Rick, tu es déjà au roll call, à moins que tu me dises le contraire. Ah oui, oui, bien sûr. Je trouve pas une tête de prof d'histoire au chef, d'ailleurs. Non. Donc les conditions sont normales, on n'est pas obligé de se mettre en tenue méga... Bon, messieurs, ouais. Donc, pas d'alerte au GOP ce soir. Enfin, pas pour tout le monde. Donc, on fait le tour des affaires. Et on va voir. Et ceux qui ont rien à se mettre sous la dent, en patrouille. Donc, ils commencent à faire le tour des affaires. Tout le monde est en train de sortir. Il vous a pas encore à parler à tous les 5. Normalement. Voilà. Et puis, ils se tournent vers vous. Bon. Alors, qu'est-ce que je vais faire de vous? Comment ça que vous allez faire de nous? Alors, je résume. Vous avez actuellement une enquête avec le Ku Klux Klan, des morts, machin, etc. D'ailleurs, ouais. Vous avez une note sur votre bureau à aller voir sur ça. Parce qu'a priori, il y a une fourgonnette qui a été repérée. Et des mines. Effectivement. Dès que vous avez le temps, vous allez là-bas. Comme ça, vous faites votre enquête et on pourra évacuer la fourgonnette de là où elle est. Dans tous les cas, messieurs... J'aimerais bien savoir ce que c'est ça. Il met en route le vidéoprojecteur. Et on voit l'intérieur de la voiture de Lynn et de Guillermo qui percute un mec qui est sur la route au milieu du globe. Bah, comme le truc là, c'est un type qui était en plein milieu de l'autoroute, en plein globe. Et alors, heureusement que j'ai des bons réflexes, sinon j'ai roulé dessus. Attendez, il remet le son. Donc là, on entend la sirène. Le mec part en courant, vous accélérez et vous le percutez. Un problème de distance. Pour réviser les freins. C'était pas la voiture habituelle. Il y avait un problème de distance. Alors vous dites que c'est un problème de distance, donc vous allez dire au SAD par exemple que c'était un problème de frein, c'est ça? Ou c'est complètement votre faute? C'est en partie ma faute. En même temps, je l'ai légèrement percuté, je vais pas rentrer dedans à pleine vitesse.
Donc, pour le moment, je vous le dis tout de suite, hein, moi je l'ai vu parce que j'ai regardé votre vidéo, parce que ça m'intéressait cette histoire de gob. Le SAD n'est pas encore tombé dessus, mais s'il vous tombe dessus, bah, je pourrais pas faire grand chose là, hein, vu ça. Ça sera triste. Bon, alors, on va faire en sorte que ça n'arrive plus. Tout à fait. Je testerai les voitures avant. Je vous conseille plutôt d'apprendre à conduire. Combien j'ai fait deux stages. Justement. C'est inquiétant. Bah, en même temps, pour éviter quelqu'un qui court en plein milieu de l'autoroute sur le globe, c'est quand même difficile, quoi. Mais vous savez que le globe a peut-être des effets quand il alimente un moteur à essence. Peut-être que la combustion se fait pas très bien et ou de façon aléatoire. Et du coup, peut-être que le moteur a eu un sursaut de puissance à la fois. J'ai pas compris, t'as dit quoi, pré-combustion? Que le moteur a eu un sursaut de puissance. Ah, voilà. Grosso modo. Il y a l'air d'avoir rien à foutre de vos excuses. Hein. Oui, non mais on s'en doute. De toute façon, j'ai l'impression d'avoir 13 ans et d'être en train d'essayer de trouver une excuse pour mon prof d'histoire. Je sais pas pourquoi. Ça me poursuit. Bon, sérieusement, chef, on fera gaffe. Bon, du coup, moi je vais aller chercher la note hein, parce que je veux savoir où elle est la bagnole. Celle qui a été déminée. À moins que le chef ait un autre truc à nous dire au niveau du route. Allô ? Allô ? Est-ce qu'on m'entend ? Oui. Oui. Ah, oui, on t'entend. Allô, allô. Donc je répète parce que je parlais, mais on n'entendait pas. Donc il vous dit bon, si vous avez toujours l'affaire en cours, donc vous allez sur cette affaire. Quand vous êtes sorti, vous répondez comme d'habitude à toutes les sollicitations d'urgence. Hein. Et bah, j'ai rien d'autre pour le moment à vous dire, mais je pense que d'ici et demain, je pense que j'aurai une nouvelle affaire à vous confier en même temps. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. C'est parti. Demain. Cela dit, partenaire, j'ai pas trop compris le coup du combustion, post-combustion, sursaut de puissance, mais merci. Ouais, j'ai essayé de trouver une excuse. Je suis pas sûr que ça ait marché, mais... Non, mais j'apprécie le geste. Après tout, c'est là pour ça, les partenaires. C'est fait pour couvrir l'un l'autre, hein. Mais bien d'accord. Oui, c'est d'ailleurs la première règle de que je te demandais d'apprendre. Ben voilà, mais je pense que le message est bien passé. Donc du coup, je vais sur mon bureau, je récupère la note, c'est où l'adresse? Alors, l'adresse c'est au milieu de Norwalk. Ça me parle pas du tout. Norwalk, zone industrielle. D'accord. Beaucoup de bâtiments abandonnés d'ailleurs là-bas. Ça craint comme endroit étant, les maladies que tu peux choper dans les bâtiments et les chiens sauvages. Cool. D'accord. Alors moi je vais pas passer au bureau, moi je vais passer au distributeur et je vais prendre deux grands cafés à emporter parce que... Déjà, un, je pense que je vais en avoir besoin, vu que j'arrête pas de pioncer. Et deux, ça va faire plaisir à Lynn. Prends... les chiens, s'il y en a vraiment beaucoup, parce que bon, on peut peut-être prendre 2-3 donuts pour les nourrir, quoi. Si on en a. Pour les... Bon, du coup... Techniquement, dans la semaine... Les flics ou les ambulances sont appelés pour récupérer des cadavres d'SDF retrouvés bouffés par les chiens. Ah ouais? Ouais, non. Pardon? Les chiens se dépassent en meute et ils sont considérés comme extrêmement dangereux et sauvages. Généralement, tu t'arrêtes pas pour les caresser. Disons que. Bon, alors, pour le coup. Pour le coup. Loup, t'auras plus de chances de t'en sortir. Ah ouais, quand même. Bah, pour le coup, si t'as des problèmes de distance de freinage, c'est pas très grave. Sauf hein. Si c'est un mur que tu dois éviter pour pas que le chien te rattrape. Oui. bah, du coup, je vais chercher la bagnole. Enfin, je prends mes armes ou mon équipement classique de base, quoi. Je demande à Rick, Daniel et. Et Denis, de nous accompagner, avec une autre voiture. Alors je pars du principe que Rick, tu vas dans la voiture de Wedge.
Non, des deux qui sont là. D'accord. Ouais. Si Wedge arrive, tu basculeras dans l'autre voiture, mais ça permettra d'avoir les mêmes dans la voiture, vu que vous êtes que trois. Ah, je peux pas prendre la voiture avec les deux autres et partir ailleurs, faire mon... Non, justement. C'est plus simple, là. Okay. Ah, mais c'est toi qui vas être assis dans le truc qui pue la pisse. Bah non, on peut choisir la voiture, ils sont pas là, les autres. C'est vrai. Donc je pars du principe que vous prenez celle qui pue pas la pisse. Ouais. Et vu que vous allez à Norwalk, on vous donne le code de Norwalk. Ma copine aux anges, là, c'est... Non, ça dure... c'est une semaine, les trucs. Ça sera à partir de la semaine prochaine qu'elle pourra être là. Cette semaine, pour l'instant, elle est pas aux mêmes horaires que toi. Peut-être la semaine prochaine, elle sera aux mêmes horaires, mais... Normalement, oui, la semaine prochaine, elle sera aux mêmes horaires que toi. Mmh. Mais cette semaine, elle y est pas. Pas de chance. Donc, Norwalk, qui est situé, je vérifie... Si vous avez la carte sous les yeux, c'est la case 14, qui est au sud de Los Angeles. Au milieu centre sud de Los Angeles. Il y a un hôpital sur place, mais surtout, ça fait partie de la banlieue industrielle polluée de Los Angeles. Génial. Et donc, qui on y envoie? Le Latinos. Oui, et les autres aussi. Hein. Donc, arrivez ouais. Sur place. Vous remarquez de loin la voiture de flic, les deux voitures de flic qui encerclent le van que vous avez vu dans les vidéos. Ouais. Cool. Bah, dites-moi. Hein. Bah, on va se garer à proximité, on va sortir. On va aller voir les flics, on va demander si tout est ok et safe, et puis s'ils nous disent ok. Moi, je vais me présenter comme étant en charge d'une enquête. Dont ce véhicule a été identifié dessus, donc je... Voilà, je reste poli quand même, hein, je reste pour toi, machin. Mais mais voilà, je dis... Ils sont contents, parce que ça veut dire qu'ils vont pas... clairement, ils te disent, bon bah, c'est content que vous soyez là. Deux raisons, la première, c'est qu'on est à Norwalk, et plus il y a de monde au même endroit, mieux c'est si des fois les chiens attaquent. Et la deuxième raison, ça veut dire que bah, vous allez peut-être expédier le truc, et qu'ils vont peut-être se bouger d'ici, quoi, grâce à vous. Ouais. Cool. Je leur demande si s'ils ont, par hasard il y a eu des témoins. On sait non, jamais. Bah, ils t'expliquent. En gros, à Norwalk, majoritairement, il y a un commissariat qui est très occupé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde en fait dans le commissariat. Et la majorité de la sécurité de Norwalk est assurée par des sécurités privées, par des entreprises privées. Dans l'après-midi, ils ont été appelés parce que justement les entreprises privées ont vu ce van ici. Ils ont regardé vite fait par les vitres et ont vu du matériel dedans électronique et suspect. Donc ils nous ont appelés pour qu'on vienne voir. Donc on est venu, c'est un collègue qui est venu. D'ailleurs, normalement, vous devriez recevoir son rapport dans la. Vous devrez déjà d'ailleurs avoir reçu son rapport. Et a priori, il y avait le van était piégé. D'accord. Il était piégé. On a fait venir la bombe squad qui a désamorcé l'ensemble. Et une fois que tout était désamorcé, on nous a dit qu'en fait c'était une enquête qui était liée à la vôtre, donc on a arrêté on a fermé le van et on a attendu que vous. Ouais, les explosifs par hasard, ça serait pas du vieux C4 militaire. Moi, il me faudrait les. C'était en haut, si en ouvrant la porte, enfin, c'était fait pour blesser ceux qui cherchent à fuir. Alors, eux, ce qu'ils ont compris de ce qu'a dit la bombe squad, ce qu'ils se sont rappelés, c'est qu'en gros, le premier qui ouvrait le coffre, ça lui sautait à la gueule. D'accord. Et que les explosifs étaient placés sous la voiture. Le coffre? Donc, ça veut dire. Attends, mais ça veut dire. Van, hein. Ça veut dire que le but, c'était de flinguer les flics qui allaient fouiller le véhicule abandonné? C'était de détruire la voiture et faire un max de victimes. Non, si jamais ils voulaient détruire la voiture, elle l'aurait fait directement, quoi. Il y a un truc que je pige pas, c'est qu'une voiture piégée, généralement, on fait ça dans des lieux publics pour faire un maximum de victimes. Là, ils foutent à Norwalk. À part essayer non, d'atteindre mais... des chiens. Je pense que vous voyez le problème à l'envers. Je pense que la voiture, elle a été piégée par l'assassin au cas où il aurait pas eu l'opportunité de buter ses complices pendant le vol et pour les tuer dans la voiture. Pas con. Dans tous les cas, la voiture est à vous.
La consigne, bah, c'est vous faites vos relevés. La police scientifique est déjà passée, a fait aussi une partie des relevés empreintes et autres, mais ils ont tout laissé en place pour que vous puissiez aussi faire vos propres relevés, vos propres analyses, et des fois trouver peut-être des choses qu'ils n'ont pas vues. Je sors ma petite mallette. Moi aussi, je vais mettre mes gants. Et j'ai du mal à les enfiler, parce que forcément, moi, j'ai pas des gants de riche, c'est-à-dire qu'ils sont pas bah, en fait, c'est avec pas que t'as du pas des gants de riche, t'as les gants de standard de tout le monde, hein. Ouais, mais moi, j'ai talqués. Une petite mallette. C'est emmerdant. Hein. Bon, c'est quoi, du coup, il y a un truc... Il y a un truc que je voudrais demander aux flics, là, qui sont là. Ouais. C'est la liste, enfin, le nom de l'entreprise qui a contacté le commissariat, ou les entreprises. Alors, et pour demander les vidéos de surveillance de la nuit, voir si quand est-ce qu'elle est arrivée la voiture, quoi. Ouais, c'est peut-être que les entreprises ont déjà dit, quoi. Hors caméra. La sécurité, c'est SecuIND, IND pour... Et ils te donnent même le nom des deux personnes qu'ont contacté. Ils ont le rapport, ils le regardent sur leur voiture. Et dans le rapport, ils disent, voilà, il y a le nom des deux personnes qui nous ont contactés. En disant qu'ils ont vu ça dans une de leurs patrouilles. Parce que c'est, en fait, c'est plus la sécurité, les sécurités d'entreprise qui patrouillent. D'accord. Sachant qu'ils patrouillent sur des bâtiments, la plupart du temps, qui sont vides. Hein. Oui, ouais. On sait... C'est abandonné, c'est assez suspect pour eux. À quelle heure ils l'ont repéré, en fait? Ça fait combien de temps qu'elle est là, quoi? Ils l'ont repéré vers 15h. D'accord. Donc c'est eu le camp déjà, les faits là. Avant-hier. Dans la nuit, ouais, dans la nuit. Dans la nuit, il y a deux jours. Ils te disent hein, clairement le principe des rondes de sécurité, normalement ils se cantonnent juste à leurs usines. C'est-à-dire ça peut passer une semaine ici un véhicule sans qu'il soit signalé. On a eu du bon. D'accord. Bon, donc Lynn, on fait comment? Tu fais l'avant, je fais l'arrière ou. Bah moi je... oui, les latinos ça s'occupe toujours du cul. Yeah. Bon, on fouille de toute façon. Oh. Répète-moi le nom de l'entreprise. SecuIND. Donc, faites-moi vos jets de scène de crime. C'est sur quoi déjà? C'est quoi, c'est perception, c'est éducation. C'est quoi, c'est éducation scène de crime? Alors, c'est perception scène de crime là pour le coup. Ok, 2, 7. Parce que c'est plus trop trouver des trucs qui sont planqués et autres que. Ah ah! Oh oh! Réussite. Et t'as un des rangs plus hein, si t'as la mallette. Et comment je sais si j'ai la mallette? Bah, c'est seulement ceux qui l'ont en fait. Qui ont c'est moi qui l'ai. Qui l'ont pris et c'est Obi qui l'a pris. Ouais. Mais il y a que moi qui a le droit de l'avoir en fait, parce que j'ai gras en scène de crime. Enfin, j'ai gras, au contraire, j'ai pas beaucoup, donc je suis forte. Du coup, alors 3, 6, sachant qu'il y a un dé qui est bleu, le premier. Tu fais le truc, t'as un truc de criminaliste? Ah oui. Alors après, je sais pas si ça marche quand c'est pas intelligence qui est utilisée. Bah, de toute façon, c'est juste quand c'est un dé quand le jeu pour faire. C'est juste. Bon, ouais, y a pas besoin. C'est... Sur un jet de comp, science, connaissance, informatique, électronique, mécanique, scène de crime, le dé devient un dé bleu. Ouais, je me souviens. Donc, bon, bah, de succès. De toute façon, il est raté le pied. Oui. Donc, de réussite et. De réussite de plus. Oui, non, mais. J'additionne pas les réussites, hein. Dommage. Donc, rapidement, dans le van, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez un brouilleur, déjà. Il y a un brouilleur électronique, d'ailleurs, qui brouille les communications, normalement. A priori, là, il est éteint. Clairement, à l'avant, il y a des empreintes. Sur le volant, sur les... Ah, ça, c'est partout cool. Dans le van, en fait, il y a des empreintes. Hein. Donc, des empreintes à tire-larigot. Il y a des munitions. Qui, vous voyez tout de suite correspondent a priori aux armes que les 4 gars ont utilisées dans le bâtiment. Il n'y a pas d'autres munitions que celles que les armes qu'ils avaient sur eux en fait. Oh. Vous trouvez encore deux explosifs non utilisés, pas de détonateur.
et un plan du bâtiment sur tous les étages, avec une grosse croix rouge sur la salle qui est blindée et qui d'ailleurs sur le bâtiment, bah en fait il n'y a pas de salle, c'est juste ça fait partie de la pièce, la grande pièce normalement. Est-ce qu'il y a une date sur un plan, sur le plan ou un numéro quelconque? Non. Pas de numéro, pas de date. Je vais être exact, exactement là où il devrait avoir le cartouche. Il y a les numéros, les machins, ça a été arraché. Comme par hasard. Intéressant. On voit à peu près à quoi ça pourrait ressembler ce plan. C'est un plan de bâtiment, d'extérieur, de cadastre. C'est un plan de coupe. C'est un plan de coupe du bâtiment. Ouais, mais est-ce que on a une idée? Est-ce que ça peut être ouais, est-ce que ça a pu être fait par un architecte c'est lambda? Plus un est-ce que architecte, je le vois plus. Alors je vois plus comme un blueprint, hein, clairement. Ouais, d'accord. Plan d'architecte, clairement. Parce qu'il n'y a pas le petit symbole qui dit qu'on peut trouver le même plan dans les archives de non, la mairie de Los Angeles, par hasard. Le concepteur, en fait, parce qu'a priori, il n'y aurait que le concepteur du bâtiment qui aurait ce genre de plan. Ça, ou comme dit Obi, ça peut être dans les archives et quelqu'un l'aurait consulté. C'est dire, possible. C'est que si le problème, c'est qu'a priori, ils ont brouillé les pistes sur d'où ils l'ont sorti, quoi. Donc c'est soit ça, soit archives. Les archives quoi, de la ville? Ouais. Sous condition qu'elles n'ont pas été perdues pendant l'indépendance. Ça peut chose être aussi... assez fréquente, malheureusement. ça peut tout à fait être une entreprise qui a dû faire une intervention sur le bâtiment. Clairement. Avant le déménagement, parce que le Cucus Clan a déménagé dans cette... Enfin, la chaîne a déménagé dans le bâtiment depuis peu, je crois. Pour vous, le bâtiment, ce que vous savez sur le bâtiment, c'est qu'il appartient pas à la chaîne. Hein. La chaîne le loue à une grosse entreprise qui, elle, a plusieurs bâtiments dans Downtown LA. Alors, déjà, la première question, est-ce qu'on a 5 ou 6 empreintes différentes? Là, ça va être dur. T'as plein d'empreintes. Bon, bah, il faut les requérir un maximum et tout balancer à zap. Tu me fais un sens de comment s'appelle le... Mince, instant flic. Instant flic sur éducation, pour le coup. Ah, cool, on peut tester. Ah, putain, t'es gentil, toi. Attends, moi je vais essayer 4-9. C'est ça, instant flic? Bon, bah voilà. Tu peux essayer, moi aussi? Oui, bah oui, y'a pas de soucis. Alors, ça me fait 4. Putain! Putain, 4. Mince, ça marche pas. Alors, 4D9. Putain, 9, ça coûte. C'est sort de là parce que là pour l'instant on est vraiment. Oh putain! Voilà. Oh putain! Alors, c'est réservé pour cible. Ah ouais, mais. Et je suis trop pire. Ouais, c'est ça, parce que là t'as lancé 4D. 4D9. Sinon, non, ça aurait été sympa, mais. 4D9, dommage. Bon, il en a quand là, même on est 1 en un. Réussite. Je partais sur une difficulté de 4, hein, de 2, excuse-moi, pas de 4, de 2. Donc, désolé. Donc, non, vous savez pas. De toute façon, la scientifique vous fournira sûrement le rapport. Bon, malheureusement, ce sera pas tout de et suite. Mais en fait, la note qu'on avait sur nous, c'était ça pour le van? Oui, c'est ça, c'est la note en question, c'était pour vous dire qu'on avait trouvé ce van. Par contre, ça veut dire aussi que vous avez maintenant la plaque aussi du van. C'est ce que j'allais dire, ouais, oui. Il vient d'où ce van? Bah, ça, pour le coup, vous consultez sur votre ordinateur de. La voiture. Il est pourri, il vient d'Obi. Il a été volé devant une prison. Non. Non, il n'a pas été volé. Il appartient à quelqu'un et il n'a pas été déclaré volé. Ah. Alors, attends, que je retrouve son nom. Peut-être que le mec est mort, en fait. Hein. Alors... typiquement, quand t'es mort, tu n'égares pas le vol de ta voiture. Smind ou Roman. Hop, il appartient à... Hop, José Reinhardt. Alors, je vais l'écrire. Reinhardt. Reinhardt, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, je le connais. Non, pardon. Reinhardt. Ah, c'est mon cousin, français. Non, je le connais, Reinhardt. Attends, qui habite à Los Angeles, donc ça, c'est cool. Et... J'ai un gros doute. Il habite dans le quartier de l'Axe.
J'ai confondu avec un certain Herman. Le gros, c'est Reinhardt, c'est un petit côté Alberto Herman. Ça m'aurait fait tout drôle. Bon, bref, donc José Reinhardt. C'est que j'ai rien compris à ce que t'as dit, hein, mais. Non, enfin, rien, je soliloquais. D'accord. Ok, bah. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre sur la voiture? Attends, je finis, hein, pour le... j'ai pas fini hein, sur la scène de crime. Hein. Bon, il y a les douilles, il y a les trucs, il y a les empreintes. Après, il y a du matériel. En gros, après, ce qui reste, c'est du matériel militaire, style corde, chaussures d'escalade, enfin, trucs d'escalade, et du matériel d'effraction, style. Comment ça s'appelle merde. Les pistolets pour les serrures. Ah oui, il y a un truc, un pistolet à gaz pour faire plaisir. Une scie en diamant? Non, il n'y a pas la perceuse en diamant, ni la scie, a priori. Par contre, vous trouvez une boîte qui contient une espèce de poudre. Un petit jet d'instinct de flic, s'il vous plaît. Éducation instinct de flic, difficulté 1. Putain, éducation instinct de flic, toujours. Ouais, tu m'aides pas. Hein. Merde. Bon, c'est pas votre jour. Oh, tu remarqueras que c'est à deux jets, fait 2 et 1 quand même. Hein. Je peux dépenser un point d'ancienneté, non? Ouais. Ouais, je vais faire ça. Des termites. Des termites? Des insectes qui bouffent du bois? Non, c'est. Comment ça s'appelle? Un mélange que tu brûles pour. Qui chauffe extrêmement fort pour. Ça sert à percer les coffres. Ah oui, pour oui. Faire fondre la serrure, quoi. Qui a été utilisé en fait dans le bâtiment hein, pour ouvrir la porte. Oui, je vois ce que c'est. Bon, donc c'est le van avec lequel ils sont venus et avec lequel l'autre s'est barré. Ah. Oui, parce que le van il s'est pas retrouvé là tout seul. Ça paraît logique. Ouais. Est-ce que tu penses d'aller voir ce fameux José Reinhardt? Oui. Bon, oui, ça me paraît. Qu'on peut aller voir, de toute façon, c'est lui ou c'est aller voir Thomas Singleton. Qui c'est ça, monsieur Thomas Middleton? C'était le cadre du Ku Klux Klan dont on a retrouvé les empreintes. Il y avait, on a vu Louise Waters qui arrive là où il y avait l'ordinateur. Et ouais. Thomas Singleton. Et est-ce qu'on peut comparer les jeux d'empreintes qu'on a retrouvés sur le bureau et ceux qu'on a retrouvés dans le van? Alors pour ça, il faut repasser au bureau. Je veux pas le faire depuis la voiture. Parce qu'on a toujours 5 empreintes qu'on connaît pas hein, dans la scène de crime. Ah oui, dans le au bureau, sur le bureau, ouais. Tu parles. Oui. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait on se divise, comme ça on couvre plus de terrain ou on reste bah, on envoie les deux qui sont pas là pour voir la personne qui dira rien, la cadre du Ku Klux Klan, Thomas Singleton. Déjà, si on a terminé avec la fourgonnette, on peut dire aux autres de se barrer, parce que je pense qu'ils vont être contents. Et Ils appellent la dépanneuse, c'est qui va venir prendre le véhicule, et qui va être de toute façon au LAPD. D'abord peut-être dans le LAPD vu ce qu'il y a dedans, et une fois qu'il sera nettoyé il sera mis en fourrière hein. Juste une question, est-ce qu'il y a des traces d'une seconde voiture sur les lieux? Scène de crime, vous me faisiez l'intérieur donc l'extérieur. Perception? Ouais. Pas con, j'ai que 2D. Que forcément s'il a amené la bagnole là il y a bien une autre bagnole pour partir. Joli. Ah oui quand même. Ouais, 3. A priori, t'as de fortes suspicions qu'il y a une autre voiture. Du moins, il y a des traces de pneus. Pas forcément, il y a peut-être une bagnole qui attendait là et il est arrivé, il a laissé la camionnette, s'est barré avec l'autre. Ouais, mais par contre, si jamais il y a des rondes. Ça relance le truc des caméras de surveillance. Si tu vois une camionnette qui arrive et que dans les minutes qui suivent, tu vois une autre bagnole qui se casse. A priori, ça soit celle-là. Les caméras de surveillance ici, t'oublies. Hein. Oui, c'est bien ce qui me semblait aussi. De toute façon, à part surveiller des chiens, c'est pas pour rien qu'ils ont utilisé le truc, quoi. Enfin, qu'ils ont été là-dedans. Donc, je m'en doutais aussi un peu. Donc, ça prouve qu'ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ouais. De toute façon, comme c'était des commandos hackers et mercenaires, ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Le seul truc qu'ils savaient pas, c'est qu'ils allaient se faire doubler et qu'ils allaient crever sur place. Ou alors, s'ils savaient, ils étaient vraiment cons.
Ça aurait été pour protéger le Ku Klux Klan, j'aurais dit c'est théoricien, mais a priori il voulait piquer un truc du Ku Klux Klan donc. Ouais, mais peut-être que c'est juste une lutte interne au Interne. Kukulkan de pouvoir, hein, et que y a quelqu'un qui a récupéré le Bah, contenu en de tout cas, son il y a une ordinateur pour faire chanter vidéo, un si autre. c'est là où stocker les vidéos, c'est qu'il doit y avoir des vidéos très compromettantes, peut-être des vidéos compromettantes dedans. Hein. Ouais, Ça veut dire qu'ils je pense organisent des aussi. gangbangs avec des noirs? C'est pas compromettant, ça. Pour le Ku Klux Klan, si. Ça dépend de qui est actif. Justement, qu'est-ce que tu comprends pas dans compromettant? Bon, 10-18. oh putain, je vais dans la radio de la bagnole. Et Voiture alors? 5. Bah on a nos radios sur nous en fait, hein, mais Oui, c'est vrai. Bah oui, de toute façon, voiture 5, qu'est-ce qui se passe? ouais. On a un problème à Bellflower. Je suis C'est proche de là où dommage. on est, de toute façon. Oui, bah oui, sinon il vous appellerait pas. C'est bien ce que je pensais. Bah On a un ouais. drive-by shooting qui a traversé Bellflower et qui va vers Norwalk. D'après ce qu'on peut savoir, il se dirige vers vous. Pour faire C'est cool. barrage. Alors, drive-by shooting, souvent, c'est une voiture un peu vitaminée avec des gangers dedans qui tirent sur tout ce qu'il y a sur la chaussée. Ah putain, j'aime pas les gangers. Au fond, mais la Vous voiture au avez à milieu de la peu roue. près, ils vous disent, vous avez entre 1 minute à 2 minutes avant qu'ils arrivent sur vous. On a les autres flics qui sont avec nous. Ouais. On prépare les Ben explosifs et la route. je donne les ordres pour les positionner. Bah, on va leur demander déjà, est-ce qu'ils ont des herses ou ce genre de conneries? On va faire là pour le coup. Quelqu'un me fait un jet 2-8 pour flic, Alors. savoir si en éducation, Vous avez confiance en essence moi? de flic, savoir si Vas-y, vas-y. ils en ont prévu ou pas avec eux. Eh ben, ils en ont Non, pas. non, ils en ont pas. Ils ont pas de quoi? Ders. Ah. Pour crever les pneus, parce qu'une bagnole avec les pneus Du arrachés, coup, ça marche nettement moins bien. je Bah, dans demande ce à cas-là, mettre on va foutre les une bagnoles, on va mettre la camionnette Je vous fais un en petit coup protection. On en va protéger la protection de camionnette parce travers. que s'il y a un impact sur la Oui, on camionnette, pourra tirer des faudrait pas pommes qu'elle dessus si elle explose, reste quoi. par contre. C'est Non, jamais. on a 2 minutes, hein, donc faut qu'on foute les voitures, on fait la procédure classique, c'est une pièce à Alors, une conviction le seconde. van. Avant de Oui. faire comme ça, je vais vous faire un petit plan, comme ça. Ça va vous Ouais. permettre de choisir comment vous faites votre truc. Ouais, un plan. Non, pour celui-là, parce que je crois que j'ai mis aucun droit. À chaque fois, je me plante. Plan, aucun Ah, droit, je vois évidemment. beaucoup mieux comme ça. C'est dégagé en tout cas. J'en ai fait un autre, hein. Alors, hop, hop. C'est que tu peux modifier tes préférences pour que par défaut ils te Tant mettent pis. le bon quoi. Donc. Là, il y a un trait. Il y a un deuxième trait. Il y a pas de petit trait. Là, tu fais C'est une vachement bien route. le quadrillage. Je vous emmerde. Ce que je vais mettre, Là, quand tu te mets là, Lynn. le double trait que je mets, c'est en fait des barres, c'est les barrières en fait des usines, c'est des murs. Ont 2 mètres de haut. À certains endroits, ils peuvent être écroulés, mais là où vous êtes, non. Le van. Ah ouais, Comment tu fais mais on pour va être faire ça? carrément à découvert en fait. C'est ça, c'est pour ça que je voulais faire le plan. Je mets le van. Attends, je vais faire un cube gris pour le van. Alors c'est pas un cube, c'est un carré ou un rectangle, hein. Un Dépend en 3D. rectangle gris. Et Comment tu fais pour si vous déplacer voulez ton bonhomme? déplacer Faut le créer. les véhicules, le van vous n'avez Je pas les vais clés, hein, donc. ajouter un nouveau PJ dans la liste des joueurs. T'as un petit bouton, tu cliques, t'as une petite fenêtre, tu rentres le nom de ton joueur, tu fais OK. Là apparaît une petite flèche sous ton nom. Tu cliques sur la petite flèche Attends, j'ai mon Rick qui là. déplie ton nom. Voilà. Et en Tu fais dessous de Rick, ajouter. t'as un bouton qui s'appelle Ajouter PJ. Ah oui. Et je mets son nom, Rick. Voilà. Donc là tu mets Pour être Rick certain. Darcy ou Rick tout court. OK. Et Voilà, là tu après, normalement, déplies et tu coches. t'as une petite case à cocher juste à côté du Rick qui est sous ton Rick. Enfin, Rick. Et normalement le MJ tu peux le mettre, hein. Tu peux le mettre le personnage de Rick. Oh, mais je voulais qu'il le. Attends, mais j'arrive pas à voir. Je veux qu'il fasse lui pour qu'il apprenne à le faire. En fait, Ah t'as oui, ton, d'accord. toi t'as ton, voilà, Voilà. gagné, Voilà. bingo.
Et si tu veux le Et bouger, après, tu normalement, de prends. l'autre côté, t'as une flèche, t'as une mire là, et à côté, t'as une flèche avec. Voilà, c'est ça. Voilà. Bingo. Comment je le fais sauter au milieu de la route? Je vous laisse mettre. Je sais pas si vous avez le droit pour mettre les voitures. Donc vous avez trois voitures de patrouille. Donc si vous voulez les mettre autrement. Bon, ça barrage, non? Ben on va essayer de ça comme ça. On va réussir à faire ça. Je pense que j'arriverai pas à dessiner, je sais pas pourquoi. Parce que t'as mis les droits du personnage et pas tous les droits. Ok. Dites-moi à peu près comment vous voulez mettre les voitures. Bah, moi, je mettrais bien notre voiture de patrouille en plein milieu, déjà. Alors, la question, dans quel sens ils vont arriver? Du haut vers le bas. Du haut vers le bas, d'accord. Du coup, Donc, moi je je mettrais. mettrais la voiture d'un des flics locaux en protection du van, et donc en Mais juste devant. diagonale devant, voilà, pour couvrir avec le frein à main enclenché, évidemment, hein, voilà. Ça quoi, à peu près, enfin je peux pas faire une diagonale, mais comme ça. Voilà. Ouais. La voiture juste en face. Enfin, L'autre si voiture tu de peux, flic mais juste en ne face. fais pas un carré, fais un trait, tu mets un gros. Ouais, bon, c'est pas grave. Un gros diamètre, ça fait le truc quoi. Voilà, c'est un peu l'idée. Et Notre j'aurais voiture en tendance à face. dire, hein? Notre voiture en face. Notre voiture en face. Là. Voilà. Et la dernière. Et la dernière, ben, Faut qu'il reste en une en bon état pour retrait aller et dans le chercher notre trou quoi. voiture. La dernière entre les deux, décalée et en face de du van. Ah mince, Voilà, pas comme comme ça ça. alors. Si, comme ça. Ouais, si, comme ça. Ok. Vous vous Ça vous placez? va? Alors, place Bah, l'avantage, c'est qu'ici, il y a deux voitures à shooter avant de nous renverser, non? où? Oui, mais justement, le truc, c'est qu'il va falloir les arrêter avant, je Alors, pense. moi, personnellement, j'aurais mis notre voiture derrière. Juste histoire que s'il y a des impacts, ça soit eux, les jeunes couillons de flics, qui se fassent insulter par les mecs de la méca. Oui, moi j'aurais pris la Ouais, voiture bon. derrière que devant, hein, mais ça. Bon, bah, la voiture, on va dire que la voiture elle est derrière. Ça... Hop. Voilà. Et après, où est-ce que je vais pouvoir me mettre, moi? Allez, dépêchez-vous, ils vont pas tarder. Vous entendez le moteur d'ici, les coups Oh putain. de feu. Ok, bah, je sors mon arme et je suis prêt à tirer. Je sors ma grosse arme. Je sors mon flingue. On peut C'est sortir tout le ce que fusil j'ai à à pompe en sortir. fait, les gars. Hein. Oui, il y a des fusils à pompe, il y a au moins deux fusils à pompe là. C'est quoi? C'est la compétence pour fusil à pompe? Arme d'épaule ou Arme enfin appelez d'épaule. c'est Ouais, c'est bien ce que je dis, ouais, arme je vais d'épaule. garder mon compact uni. Hein. Arme d'épaule. Par contre, je m'assure que j'ai un deuxième chargeur dans la poche. Oui, non, mais Parce c'est que arme je d'épaule pense ou que. Un deuxième exercice? chargeur dans la poche de Oui, mais base. justement, là, je vérifie que je l'ai bien, parce que je m'appelle Guillermo, et il y a peut-être des chances que quelquefois je l'ai pas. Donc. Et puis j'ai plus un dégât arme de poing. Non, mais moi je reste au flingue aussi. Et je Pardon. braque mon arme vers là où d'où viendra le danger, la voiture. Ouais. Alors, essayez de viser le chauffeur, parce Oui. qu'une bagnole qui a plus de chauffeur, généralement, ça se dirige moins bien. Je mets le casque, hein. Je Oui, me. oui. Bah, vous mettez tous un casque, je Équipement pense, de toute façon. total, quoi. Oui. Ouais. Alors, je veux pas être chiant, mais je pense que Guillermo et le LAPD 8, s'il y a impact, sont en danger. J'en suis sûr, moi, hein, personnellement. Hein, ça... Justement, si on voit qu'il va avoir impact, je pense qu'on va s'écarter rapidement, tu vois. Parce que moi, du coup, j'essaye Question, est-ce que de. vous mettez les gyrophares? Ben. Que ça vaut le coup. Ouais, oui, de toute façon, c'est pas ça qui va les arrêter. Et Je vais demander à ce que tout le monde prenne de la lumière. Il fait nuit. Ouais, tout le monde prend sa torche avec sa lampe. Et du coup, on va, quand ils seront suffisamment prêts, on va les flasher s'il faut. Ah, voilà. Dans ce cas-là, on aurait dû tourner les bagnoles de l'autre côté pour les mettre plein phare. C'est pas idiot, mais Mais ils auraient pu passer à côté. Mais c'est ça, justement, c'est c'est ça que le ça. souci. C'est que là, ils auraient pu passer. On n'aurait pas là. L'idée, c'est que ça va faire un mur de lumière et a priori, ils vont freiner. Donc, soit ils freinent et on les défonce. Bon, je répète, visez en priorité le chauffeur. Y a quelqu'un qui a pris le fusil à pompe ou sinon c'est les autres flics qui le prennent. Hein.
Alors moi je reste à mon arme de poing, je suis Moi aussi je spécialisé reste à l'arme de là-dedans. poing. Oui, non, moi aussi, hein. Clairement. Je demande, je demande. Elle est genre... De toute façon, le fusil à pompe, c'est très intéressant au contact, mais ou très proche. Mais alors à distance, ça vaut tripette. Donc comme on va essayer de shooter d'abord à distance. Bon, je m'en fous, je suis Je derrière. vérifie la capacité de la voiture à encaisser. Parce que c'est la seule, c'est la grosse inconnue que j'ai là. Ça me fait un peu chier qu'ils aient pas mis ça avec le Alors, reste. nous disons donc un véhicule à avant blindé militaire. Oh bah ça peut encaisser pas mal, Non, hein. non, clairement pas. Vous voyez un char Non, non. Abrams qui arrive. Par contre, le problème, c'est qu'ils vont arriver très très vite en fait. Ouais, mais par contre, c'est aussi une faille dans la cuirasse. S'ils arrivent très vite, qu'on shoote dans les pneus, qu'on shoote le chauffeur, la bagnole, elle se casse la gueule. Bon. Prêt? Ouais. Allez, Ok. rapide. La voiture est à 500 mètres. A priori, ils voient les gyrophares et ils ont l'air, vous entendez très clairement qu'ils accélèrent. Est-ce qu'il y a des flics qui les poursuivent? Non, y a personne derrière. D'accord. Bon, d'accord, on est le dernier rempart, hein, c'est nous. 400 mètres. Y a un des gangers Je repositionne là pour éviter Vas-y, vas-y, tu l'impact. peux. Hein, Parce que comme ça, normalement, c'est bon, je suis bien. 400 mètres, y'a un des gangers qui monte sur qui met ses fesses sur le bord de la vitre et qui sort une arme. On commence à tirer, non? 500 mètres, on est hors de portée. Hein. Ah bah il va avoir une Clairement, on ligne est de hors de visée, un portée, peu de oui. cul quand même, hein, Nos mais... flingues ont une petite 30 mètres, je pense, alors... Ouais. Par contre, Ok. je vais essayer de La distinguer, de question, viser le chauffeur, là Guillermo? où pourrait être Guillermo, se combien trouver. il leur faut de temps pour s'arrêter à cette vitesse? Pas assez pour 200 pas nous mètres. percuter. Ils accélèrent et ils commencent à tirer. Le pas de jet, ils loupent à cette distance. Alors, je vais juste me déplacer un petit peu sur le côté. Ah bah l'autre, de à toute ta façon, il place? s'est mis là. Moi je suis accroupi, hein. Moi je suis Ok. accroupi, hein. Je l'ai pas dit, mais je suis accroupi. Et l'idée, c'est que j'ai le flingue et que j'ai vraiment, je suis juste dans le coin, quoi, vraiment à couvert. Alors moi je suis Et là parce que normalement la voiture ne rentrera pas dedans. Hein. 100 si je peux, je vais me mettre là. 30 mètres? 100 mètres. 100 mètres, ok, bah si je peux, je vais me mettre là aussi parce que je pense qu'ils vont essayer de passer quand même. Je dis aux flics et à la PD6 de se casser de là parce que je pense Moi que ça va faire mal. je demande à tout le monde d'allumer les lumières. Allez, Ok, go! tout le monde allume les lumières. 50 mètres. Je dessine là où arrive la voiture pour essayer de forcer le passage. Ok, on Oh shoot. putain! Bah oui, c'est le point le plus vulnérable, hein, clairement. Oh putain! On shoot, on Réaction va. immédiate. Moi je peux tirer. Ouais, Si je bah, peux je tire tirer, je peux aussi, hein. tirer. Ouais, bah moi je me casse. Parce que... Sur le tableau d'init, vous mettez où vous êtes, s'il vous plaît, avant de tirer, avant de faire les lancers. Comment tu sais? C'est pas faux. Ah, c'est toi qui vois, en fait. Tu peux être déjà t'as un truc par rapport à ton attitude, planqué, à couvert, prudent déjà, ça te permet de savoir. Et après, ton initiative, c'est toi qui la détermine. Sachant que tu as combien? Attends, je vérifie. Cib, tuk, 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 vu que t'as déjà sorti ton arme. Et en réflexe, t'es à 3, donc tu peux être alerte, posé ou circonspect, de toute façon. Moi, je me fais circonspect et prudent. En gros, c'est la vitesse, c'est dans quel ordre tu réagis par rapport aux autres. Donc, vous placez. Déjà fait. Si je me rends normal, par exemple, c'est... Donc, je suis prudent. Alors, Guillermo, je te conseille plutôt, tu vois, d'être plutôt de l'autre côté du tableau Ah, pour tu veux agir en dire premier pour pouvoir rapide, oui. t'échapper. Ok. C'est bon, comme là, t'as, pour le coup, tu vois qu'ils arrivent. T'as combien en réflexe? En réflexe, j'ai 4. Donc c'est prompt minimum. Allez, Peux pas être en rapide, Ah il te oui, faut, pardon, tu je peux peux mettre être. là, c'est ici, exact. Voilà. Donc sachant que je vais pas m'emmerder pour les flics du LAPD. Alors on était à quoi? C'était 4, 0-0. c'était. Je vais mettre au. Ouais, c'est ça, je les mets au milieu en gros. Hein. Je vais quand même les mettre sur le truc Balle pour au être. Ça fait centre. quoi les deux actions physiques? T'inquiète, je le dis quand on va le faire. Ok, donc Guillermo en premier, la voiture. Alors, je vais essayer de me positionner là, si je peux, et je vais dire au LAPD 5 en même temps de se... Alors, donc,
Bah non, en fait, là, comme ça m'a percuté, tu me fais un jet, en fait, Guillermo. Tu me fais un jet d'athlétisme réflexe. Athlétisme, c'est... Oh, j'ai athlétisme. Oui. Et réflexe. L'académie. Ah, ça, c'est bien, ça. J'espère bien que t'as athlétisme. Pan, 2. Ok. Ça me... Je vais l'opposer quand même à leur conduite, hein. Parce que, comme j'ai trop trop bien fait de changer la position de notre voiture. tu me fais le jet d'athlétisme pour le flic, il est à 3D lui. Même alors. Chose que toi pour le, par contre le au truc. C'est 7 alors. Ouais. 3 c'est 7. Sachant que normalement t'as c'est moins 2D aux actions physiques hein, de long. Hein. Bah, dans ce cas-là, j'ai 4D donc ça fait. Ah oui, tu veux que je lance que 2D en fait et pas 4. C'est ça. Ah, c'est ouais. Comme ça que ça marche. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Donc dans ce cas-là, c'est. C'est pas 4, c'est 7, c'est 2, c'est 7. Donc, je te relance ça. C'est chaud. Évidemment. J'en ai qu'un seul. Ça me va. Hein. De toute façon, il me fallait juste une réussite pour. Donc une réussite, je vais le faire en opposition à son jet de conduite. Hein. Plus il essaie de vous écraser, hein. Alors c'est. Ouais, mais il doit. La voiture est quand même va quand même faire un impact un peu bizarre dans sa gueule. Hein. De toute façon, oui. Ouais. Voilà. Ok. Ah oui, bon. Mais il a 12 ans en fait le conducteur. C'est possible. J'en sais rien, hein. Pour l'instant. c'est des gangers, si ça se trouve, ils ont pas plus de 6 ans. Attends, ce tour-ci, ce qui va se passer, juste vite fait, ils vont percuter la voiture. Donc là, je fais, à part le LPD-5 qui va se décaler avec Guillermo, je vais faire shooter tous les mecs du LPD, parce que c'est à eux de jouer là. Ils vont avoir quoi? Ils vont avoir 3D, 8. 3C. J'en tire 1. Ok. Un succès. Okay. 0. Donc tu tires le dernier ou je le fais? Vas-y, Rick, fais tout. Ah, j'ai tiré, marche pas. Ok, bon. Bon, bah, y a un fusil à pompe qui est rentré dans le buffet du truc. Quelqu'un me fait un jet de dégâts du fusil à pompe, s'il vous plaît, je vérifie les dégâts. Moi. Ben, Lynn. La localisation d'abord, non? C'est la voiture qui est visée, hein. Je veux dire, tu peux localiser la voiture, hein. Mais j'ai pas de. Je crois pas qu'il y a un truc de localisation. Ah, si, table d'impact sur véhicule. Ouais, vas-y, la localisation sur 1D10 toujours. 1D10 tout court. 8. La tête du chauffeur. Ah ouais, impact sur la durée de descente, le véhicule va s'immobiliser dans 1D6 tours. Mais vu l'impact qu'il va se prendre de toute façon avec la voiture en plus de ça. Bon. Ok, je vais faire le. Tu veux que je jette le D6 au cas où? Ouais. Ah, c'est pas passé. J'ai pas vu passer. T'as mis un slash, pas un point d'exclamation. Je vois même pas. Que j'ai marqué. Est-ce que t'as mis un slash et du coup le slash c'est une commande en fait mais il l'a pas comprise et du coup il te l'a viré. Et vous l'avez vu, c'est bizarre. Ok, 4 tours. Ok, à vous. Donc d'abord Arik. Ok, donc c'est quoi? Bah je tire moi. Hein. Ouais. Donc tu me fais ton jet de tir, donc pour le coup c'est pareil, c'est un jet. Par réflexe, c'est coordination et tir. Ok, 3 sur 6. Joli. Alors, 3 sur 6. Ça s'est fait, bout portant. Sachant que la précision de l'arme aussi à rajouter hein, sur ton truc, donc bon, de toute façon, c'est touche. Donc, à ça, donc on fait la force, on fait la localisation. Lance un des 10. Joli. C'est beau. Ok. Putain de merde. Ok. Tu me fais quand même. Bon, de toute façon, la force d'arrêt ça sert à rien parce que arrêter avec une balle la voiture ça change rien. On va faire quand même les dégâts. Donc tu me lances un film de Bollywood si. Fois le 1d6, sachant que y a pas de modificateur, ouais, ça a pas de protection. Moi j'ai plus 1 au dégâts arme 2 points. Non, pas plus 1 au dégâts arme 2 points, tu regardes ton arme en fait, et sur ton arme t'as marqué PU. Ouais, 3. 3, donc 3d6. 3d6 ouais. Mais attends, j'ai deux réussites hein. Ça change rien. Ah oui,
Bah 4 des... Alors oui, bah ça veut dire que tu peux... En fait, ça veut dire sur ta table d'impact, tu peux monter soit à 9, enfin tu peux descendre à 9, soit à 11. Sachant que comme c'est un véhicule, plus tu montes, en fait, plus tu vas... T'as de chance d'arrêter le véhicule, en fait. Bah, je suis monté à 11 donc. Ok. Tu me lances 1 des 6. Alors. Je n'ai même pas d'exclamation. 6. 6, ok. Ok, plus bah, les dégâts. Enfin, bah non, en fait, ouais, non, en fait, tu fais pas de dégâts, en fait, sur de points de dégâts ou de dommages sur les voitures. En fait, c'est la table d'impact du véhicule qui compte. Ah non, ok. Ah oui, ok. Fait combien modificateur du jet d'impact. Ah oui, J'ai tu fais fait les max. dégâts et ça va rajouter peut-être au jet d'impact. Ah d'accord. Oh putain. Vas-y, refais fais les dégâts de ton arme aussi. Donc c'est 3d6. Ouais, 3d6. Le plus 1, il sert à rien là. Non, non, le plus 1 c'est pour moi, t'inquiète, je regarde par. 3d6, donc 9. ça fait 9, ça reste que c'est en dessous, après un couverture de tir sur le véhicule, c'est pas le cas, c'est pas de base blindage, donc ça modifie pas le 11 en fait. J'explique. Si t'avais fait plus de 10 points de dégâts, Ouais. t'aurais eu un plus 1 sur ta table sur la table d'impact, c'est-à-dire que le 10 que t'as transformé en 11 serait devenu un 12. Ce qui aurait fait, pour le coup, impact dans le coffre, la balle ricoche à plusieurs reprises avant de stopper sa course dans un morceau de carrosserie. Aucun effet si le coffre est vide. Alors que là, le 11, ça fait impact dans le bloc moteur, perte de 1 des 6 plus 2 points de structure. Ok, suivant. Obi. Lynn. J'attaque. T'as combien de points de structure une voiture? Ça dépend de la voiture. Là, j'ai 6 points de structure en moins. Non, 6 plus 2, donc 8. Ouais. Une voiture classique, ça a combien de points de structure? Vous, la vôtre, elle a 15. Mémoire. T'as déjà fait des gros, des beaux dégâts là. Vas-y, Lynn, bah, table d'impact et dégâts. Alors. Donc c'est 1 de Enfin, 10, c'est ça? ouais, 1 de 10 et la dégâts après. 9. Tu décales Et de plus après. 1. Sachant que là, pour le coup, je pense qu'on le fera pas pour les voitures parce que moi, suivant les. C'est complètement différent. Enfin, à moins que je vous donne la table. 9, ça fait que tu perfores le tableau de bord et elle perd 1 des 6 moins 2. 10, c'est impact dans la boîte de vitesse et ça fait que la vitesse va, les jets de conduite perdent De ça s'appelle profil de 10. un point. Et le 8, c'est l'impact dans dans la durée de descente qui fait que le véhicule va s'immobiliser. Mais bon, le texte est déjà fait ça. 17, donc ça m'aide plus 1. Donc bah, je pars du principe que tu prends le meilleur sur le job, non? Ouais. Donc bah, pareil, tu me lances un des 6. Sachant qu'il y a 10 points de structure, il y en a 8 qui sont tombés déjà. Il suffit que tu fasses 2 ou plus et la voiture est arrêtée. Ok, la voiture donc percute la voiture de flic et s'arrête sur le bas-côté. Il y a le gangers qui était sur la vitre, bah, qui vole, qui était sur le bord de la vitre, qui vole et qui s'éclate sur le bitume. Les autres sont sonnés. Vous faites quoi? LAPD, freeze, Ah oui. Ouais, c'est un peu ça, Je suis pas certain que Motherfucker ce soit exactement dans le truc, mais je pense que l'idée y est, je crois. Ok, bah on les braque tous, de toute façon. On est plat. Ouais, vous me Ils faites sont tous combien? un jet de carrure intimidation. Juste. En sachant que je demande une réussite minimum sur l'ensemble. Je pars du principe que les mecs du LAPD qui sont avec vous le font aussi. Hein. J'ai rien, c'est deux dé... Putain, j'ai rien en intimidation, hein. Tu fais carrure sur 9 si tu as pas en intimidation. Popopo! J'ai réussi un. J'ai intimidation. Oh, trop fort. J'ai réussi un. Ouais. Bon, c'est simple là. Ceux qui sont en état, qui sont à l'exception, en gros, à l'exception du conducteur et du mec qui s'est étalé sur le bitume qui est en train de pisser son sang, les deux autres qui sont à l'arrière mettent les mains sur le capot et posent leurs armes au sol. Hein. Ok, donc Dans ce cas-là, à la radio, on demande déjà, on dit qu'on a stoppé le gangers. Donc on a besoin besoin d'une d'ambulance. ambulance parce qu'il y en a un qui est dans un sale état. Deux. Celui qui est à l'avant, il s'est mangé son volant, il a pas l'air en bon état non plus. Ou alors, Et il. rectification, une ambulance parce qu'il y en a un dans un sale état et un corbillard parce qu'il y en a un qui est vraiment dans un sale état. Alors, je vous arrête pour le non-port de la ceinture, non? On leur lit leurs droits et on les fouille. Ok. À partir Ouais. de là, de toute façon, les flics qui sont avec vous reprennent la main dessus, de toute façon. Donc ça veut dire que vous pouvez partir. Les armes sont mises de côté et les ambulances vont arriver. Vu qu'ils sont là, les autres, bah, vous pouvez les laisser continuer l'interpellation. Ça marche. N'empêche que j'ai fait un beau shoot, hein. 8 points de structure d'un coup. Ouais.
Donc voilà, je vous laisse Tu continuer te sur rends ça. compte que t'as buté une bagnole en fait, mon salaud. On fait jamais ça, quoi. C'est sacré, Combien j'ai une fait de bagnole. points de structure, moi? J'ai fait. Bah, T'as fait 3. t'as fait 3 plus 2, en fait. Rick, amigo mio, on ne tue pas le moteur d'une voiture, ça ne fait pas. Bon, bah, je vous laisse continuer l'enquête, hein. Dites-moi maintenant. Parce que bon, là, pour le coup, il n'y a pas de grand-chose d'autre à faire, hein, avec eux. Si, juste à titre d'info, c'est des Bloods, les gangs. D'accord. J'aime pas les grandes girls. Je vais juste. Je range mon arme. Je vous fais un mini topo rapide sur les. Sur, si vous voulez, sur les Bloods. Très très rapide, hein, pour le coup. Ouais, ils sont positifs. Alors. Ils sont tous séropositifs. Ah, pas ligne blanche, putain, pourquoi il me donne. Amitié Los Angeles, voilà. Alors, Blood, touk 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 touk. 82. Donc, les Ah ouais, Bloods. mais tu... Bon, en dehors, c'est du gang afro-américain. Majoritairement, donc, du gang non vérifié. Hop, what's. Tac tac tac. Blood, roll call. Voilà, 15 000 gangers sur Los Angeles. 15 Gilmonger, moins 6 là. Ouais, c'est ça. on trouve des bloods plus ou moins virulents un peu dans dans tout le coin. Regardez, le blood saigne. C'est pareil, les bloods, c'est comment ça s'appelle c'est plusieurs petits gangs afro-américains qui se sont unis pour résister à la mainmise naissante des Crisps, qui sont un gang Latino. Latino. latino, tout à fait. Et Ah tu non, connais non, bien. excuse-moi, oh là, pourquoi vous me dites latino? Non, non, c'est aussi un autre gang afro-américain, c'est deux gangs afro-américains qui se tirent la bourre. Ah. C'est cool, et nous on compte les points. Bon, quelque part, Ah on non, vient c'est d'aider bon, une équipe, hein. environ 100 gangs, il y a 100 gangs de Bloods recensés sur tout Los Angeles, en tout. Donc c'est plein, plein de petits gangs, alors que les Crisps sont majoritairement quelques gros gangs, en fait. Voilà. Bon, bah, il y a Bon, un et en petit gros, ils se gang font de la guerre moins dans un les peu Bloods. partout dans Los Angeles, majoritairement bien sûr à South Central. Ouais, je vais regarder la liste vite fait des gangs. Ouais, majoritairement c'est South Central et plusieurs trucs autour. Il y a Green Oak, il y a Watts, Quidrow, South Central, Compton, ça reste du South Central, Watts, Compton, Long Beach, Inglewood, Venice, Southgate, Long Beach, Compton. Voilà, ouais, c'est clairement. De mémoire, je crois que c'est ceux qui sont. Faut pas que j'ai une connerie. Toujours. Ah oui, voilà, les Bloods en fait sont un color gang, c'est-à-dire qu'ils ont une couleur rouge. Étonnant, Ouais. Eric, Et tu vas les pouvoir mettre un Crisps, c'est tatouage le bleu. rouge sur d'animal, ton. c'est ça? Les Crisps, c'est le bleu. Donc, Vais dire, pardon. Rick, tu vas pouvoir mettre une pastille rouge sur ton. Sur ton casier. Tu viens de descendre une bagnole avec un gang de blood. Donc clairement ils sont tous habillés en rouge et c'est assez visible. Contrairement d'ailleurs au gang des Crisps qui sont normalement dont la couleur est bleue mais qui sont un peu plus malins et qui évitent de porter le plus possible de bleu histoire de pas être tagués. Voilà. En fait, ils ont une couleur, mais ils en ont pas, quoi. Bah, ils en ont une, genre, mais ça va être assez discret, alors que les Bloods, clairement, ça va pas être discret, quoi. Ben, ça s'est vu, hein. Dans tous les cas, voilà pour le topo rapide. Si des fois vous rencontrez des Bloods, j'approfondirai le topo, hein. Bon, en plus, ils conduisent comme des pieds. Et voilà, Et à vous donc, bon, bah dans ce cas-là, de reprendre la main. on va remballer nos petites affaires. Et on va aller voir le propriétaire du van. Ouais, José Ouais. Reinhardt. Le brave José. Donc, petit Jonathan. tour en voiture. Rappelez-moi, Nous vous faut... allez à. Est-ce qu'il nous faut un mandat officiel pour aller voir ce monsieur ou est-ce qu'on peut T'as pas besoin l'interroger de simplement mandat comme pour ça? aller voir quelqu'un. En plus, tu peux lui dire gentiment que t'as retrouvé sa voiture. Tout à fait. Oui, bah voilà, c'est une très bonne idée ça. On va lui annoncer une bonne nouvelle. Il va être très content, ce Non, mais brave. attends, il a pas fait de déclaration de vol, hein.
Justement, on va peut-être demander lui Oui. pourquoi il n'a pas fait de déclaration de vol, ça Mais il dépend sera de sa mort, hein, suspect. mais... On va demander s'il a un van noir. De toute façon, on y va déjà. Il Surtout, on va le habite à la Los retrouver Angeles, dans sa quartier de cuisine en Lax. train de se décomposer depuis 48 heures. Donc complètement à l'ouest de là où vous êtes. Bah, Exactement. Vous traversez Yarmo, je t'en Bellflower, prie. passez à côté de South Central, Gardena, et puis arrivez. Après, vous passez que cette. Voilà, El Segundo et O'Dorn, et puis vous arrivez à Lax. Suivez la. C'est là. C'est l'autoroute 91, puis la 405. Cool. Tout à fait d'accord. Et comme ça, quand on arrivera à hauteur de la maison, on pourra informer les anges qu'on va juste faire Ah, mais de toute façon, une vous l'informez visite de même avant. courtoisie. Non? Ou Bah après, si. ou tout de suite, ou alors en arrivant, comme vous voulez. Bon, on les prévient en arrivant déjà. Hein. Enfin, ils Ça sachent où chaud, on se pourquoi? trouve, comme ça ils pourront nous affecter sur un 10-18 au Bah, cas où il y en a un c'est proche. bah, c'est ça, en fait, à partir du moment où vous êtes rattaché au commissariat, à peut-être un ange qui fait le commissariat qui est dans le coin, en fait. C'est pas forcément la même. Ok. Bon, Bon, c'est comment arrivé. le quartier Alors, c'est une petite maison résidentielle où vous êtes là. Lax, majoritairement, il y a pas mal d'immeubles normalement. Et surtout, il y a l'aéroport. Et là, vous tombez sur. C'est un petit quartier résidentiel dans Lax. Il est tout petit. Et donc, c'est une maison, un pied-à-terre, pas d'étage. À vue de nez, il doit avoir peut-être deux chambres. Et une Juste une salle et question. plusieurs pièces. Okay. Il doit être. Là, il doit être au moins 23 heures. Il y a de lumière. Pas de lumière. Il y a de la lumière Question. sur les trucs à côté ou pas? Il y en a quelques-unes des baraques qui sont allumées. Dans certaines, tu peux même voir des gens regarder. Tu vois même leur télé, quoi, d'allumée. Question, oui. C'est quoi la carte que tu utilises? Parce que moi j'en ai plusieurs. Là, j'en Et utilise aucune, là. mais non, Là, mais tu parles pour le coup. quand t'as dit tout à l'heure que c'est dans la case 14, c'est laquelle de carte que tu utilises comme référence? Parce que C'est du la coup, moi je 11 sais pas où vous laquelle. êtes actuellement. Vous êtes parti de 14. Non, mais je sais, mais Ah, tout c'est à l'heure tu celle-là. as dit c'est la case 14 et je sais pas quelle carte tu regardais. Ah, Donc j'ai dis-moi celle du laquelle et je bouquin. regarde. Celle du Voilà. bouquin. Ah, mais du coup on l'a pas en PDF. Alors attends, je normalement lié en PDF, je connais pas juste son nom, donc une seconde, je vais aller sur Dropbox vérifier. Tac tac, c'est dans lesquelles la carte? La carte elle est dans quel dossier? Déclassifié, il y en a des cartes, mais... Déclassifié. Alors c'est pas celle-là. Ah ouais, en effet, a priori elle a pas été mise dedans. Normalement en fait tu la vois, c'est la même carte que tu as avec la carte du gob et du GP, sauf que moi j'ai des numéros en fait à la place des trucs marqués sur la carte. D'accord. C'est la même, c'est cette carte là en fait. Quand j'ai 14 c'était l'axe, mais en fait c'est là où il y a marqué l'axe quoi. C'est à l'ouest de la ville. D'accord, Lex, je vois. D'accord. Bon, je pense qu'on va aller faire toc-toc, enfin dring. Pas de réponse pour l'instant. La porte est fermée? Il n'y a pas de lumière qui s'allume. Alors, d'abord, est-ce que la porte est fermée? Tu tournes la poignée, la porte elle s'ouvre, et pas de lumière qui s'allume. Alors ça pue. On dégaine. Ouais. Et on met les Et masques. oui, et lumière. Et voilà, et un amplificateur de lumière, parce que là je pense que je commence à comprendre Lumière pourquoi ou le pro. amplificateur de lumière? Non, non, T'as pas amplifi. d'amplificateur de lumière en fait, pour le coup. Tu Oh l'as pas équipé, tu l'as pas putain! acheté sur ton masque. Putain de merde! Ben, on va Dans tous essayer les cas, la d'allumer. lumière s'allume, hein, vu qu'il y a Ah quelqu'un oui! qui a appuyé sur le bouton. D'accord. Bon, ben. Bah, Et on entre de manière devant vous, circonspecte, oui. une maison, a priori, qui a été retournée. D'accord. Il y a eu un cambriolage en gros. On veut te faire croire qu'il y a un cambriolage, mais bon, c'est Bon, retourner, retourner on dans tous quand les même. sens. On a le dossier de la personne, on sait ce qu'il fait comme boulot Un de peu. base. Il y a la police d'abord que Tu peux. cambriolage. Alors. Vous avez eu le temps en voiture de vous renseigner. A priori, le mec, la personne travaille à l'Axe. Elle est chargée de. Aéroport. Comment ça s'appelle? Merde.
de faire les allers-retours de bagagistes, en fait, c'est les trucs, les petites voiturettes de bagagistes. Pour les D'accord, bagagistes, quoi. et on fait quand même un code 459 pour prévenir qu'il y a un cambriolage. Ouais, à pas de soucis, l'axe, vas-y, fais, hein. J'ouvrirai un cabinet dentaire. Hein. Le laxatif. Oh là, aux cheveux du doigt, un coiffeur plutôt. Dans tous les cas, tu signales, je suis fatigué. Si tu veux des renforts. Pas pour mon nom, pas pour l'instant. La scène. Okay. Ce type n'avait pas de casier judiciaire. Hein. Je crois que tu. Il a un casier. Il a un casier. Bah, il a fait de la prison, comme non, tous les mercenaires. Non, il a pas fait de la prison. Il a. Ah. Il a. Condamnation. Surtout à voler à son travail. A priori, il a dû le perdre il y a peu de temps. Ah. Bon, il y a quelqu'un qui monte tout de suite à l'étage ou. Il n'y a pas d'étage, c'est ce que je dis. Ah, il n'y a pas d'étage, c'est du plein pied. On explore la maison, de toute façon, il n'y a pas de. Rapidement, allez, un petit jet. Alors, juste une question. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux appeler la brigade. De déminage, ouais. C'est vous qui voyez, hein. On n'a pas j'y crois pas, c'est trop gros, j'y crois pas. Perception, sens de flic. Alors, perception, sens de flic. Non, mais en fait, c'est pas mal d'appeler en effet la brigade. Oh, mais t'es pas joueur. Est-ce que ça sent mauvais dans la pièce? Genre un cadavre en décomposition, non? À la limite, ça sent la transpiration. Ça sent le Cédric. C'est enregistré. Hein. Ah, t'annonces un succès. Oh, merde. Pas grave, ça sera remonté, non? Ah non, moi j'ai 3 en plus. Oh, c'est beau ça. Ça me fait un. Ouais. Un triple 4. Un triple 4. Ouais, bon, j'ai déjà fait un triple 4, ça, mais c'est pas grave. Ah, il est rôlissime. Ah ouais. Moi, je suis prudent, hein, je rentre pas. Hein, je... Alors, Guillermo, au fond, ouais. Tu regardes, ce que tu vois, c'est à l'arrière de la maison qu'il y a une vitre qui est pétée. Mais tu vois pas autre chose en dehors de bah, le bordel ambiant. Bon, confirme le cambriolage, a priori. Maintenant, j'aurais bien trouvé quelqu'un. Moi, je fais le tour de la maison pour... Ça va être bien qu'il y en a un qui fait le tour de la maison pour voir la porte où... Enfin, comment ça a été cassé devant, quoi, derrière, non? Demande à Lynn, elle est toujours dehors. Lynn, t'as appelé la brigade anti-bombe ou... Enfin, la bombe squad ou pas? Ouais. Ok, bah ils arrivent. Enfin, ils sont là, à moins que... À moins que si Guillermo rentre et qu'il se passe rien, je vais annuler, mais... A priori, je suis rentré, j'avance avec précaution, mais pour l'instant, je vois rien du tout. Et je dis que c'est juste pour une inspection. Pour aller, là où pour regarder l'extérieur, la porte. Ok. Tu fais le tour de la maison. Ouais. Avec mon arme sortie, hein, parce que c'est celle de crime. Bah, tu vas me faire Guillermo et Eric. Tu vas me faire un jet réflexe et. Et tac 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 tac. J'ai pas tac 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 tac. Et résister à un explosif hyper dangereux. Un réflexe tout court pour le coup. Sur 6 et 2 réussites minimum. Donc c'est ton score de réflexe et c'est sur combien le. Et sur 6. Il n'y a pas d'autre truc. 4. 4. Vache. Joli. Oh bien, il est bon, le jet. Je t'ai dit qu'on avançait avec prudence, hein. Au moindre truc, on se carapate. Oh, vous avez des bons réflexes, les deux. Ah ouais, là. Ah, parce que moi, je peux pas faire ça. Hein. Moi, j'ai deux en réflexe. Hein. Alors, clairement, Guillermo, tu évites le chat qui s'enfuit en courant par la porte. Ouais, je l'évite pas par la porte, par la fenêtre. Et toi, tu l'évites quand il sort de par la fenêtre. Un plateau de merde, j'ai failli tirer dessus. Attrapé, hein. Avec mon cadre. Si tu veux, tu peux l'attraper, hein, ça te fait plaisir. Non, c'est pas, c'est un coup à yesser des morceaux de peau, ça. Mais bah, il a peut-être un. A priori, ça a pas l'air piégé. Non, ça a pas l'air piégé. Par contre, il vient d'où le chat? C'est-à-dire, il était planqué où? Parce que s'il s'est barré, il était peut-être en train de faire son petit déjeuner. Bah, tu cherches? Bah oui, j'ai déjà entendu parler des bestioles qui bouffaient les maîtres qui étaient morts chez eux. Faites le tour de la maison, intérieur et extérieur, et non, il n'y a pas de cadavre. Du coup, quand on est rentré, quand j'ai vu qu'il n'y avait rien et que je suis rentré, j'ai annulé l'ordre de la... Ouais. Pour...
Ok. Bon, bah, ils t'ont dit que bon, la prochaine fois, t'appelleras quand il y aura quelque chose, quand même. Hein. Oui, oui. Un parano comme ça, Aline. Dis le mec non, mais on sait jamais. Qui a failli buter un chat. Donc, en gros, moi, ce que je vois, c'est que sur. En fait, la personne. Les débris de verre, ils sont vers l'intérieur ou l'extérieur de la maison? Sur la porte de derrière. Ils sont vers l'intérieur. Et okay. J'aimerais. Donc, bah, vu que vous avez examiné la scène, pareil, hein, scène de crime, toujours le même jet. Hein. C'est sur quoi? Intelligence, non? Pour le coup, ça va être éducation, ouais. Oh, ouais. Putain. Perception. Oh putain. J'ai con. On fire, oh, on fire le Guillermo. Attends, c'est scène de crime, c'est 7 donc. Ah oui, en effet, on fire. Attends, je signale que j'ai 2 en éducation quand même. C'est justement, c'est ça qui est bon. Non. Et j'ai un dé bleu. Bon. Putain, j'ai réussi à vous enfoncer quand même. Là, j'avoue que je suis très fort. Je pense qu'il faut faire pisser Guillermo, là, parce qu'il a dû sniffer quelque chose avant, c'est pas possible. Appelle ta femme. Clairement, cette maison... Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui sont rentrés dedans, qui l'ont fouillé. Ils le font en comble. Ils devaient être plusieurs. Vu la terre laissée, vu les empreintes un peu partout, ils devaient être plusieurs. Il y a des traces de doigts, clairement. Plein, partout. Dans le sens où bah, y a quelqu'un qui vivait quand même ici. Donc bon, il y a des empreintes. Le frigo est plein. Il y a de la bouffe dedans. La chambre a été dévastée et surtout il manque une partie des affaires. Et il y a un ordinateur qui a été, a priori, le disque dur de l'ordinateur a été enlevé. Mais pas enlevé gentiment, hein. Le truc a été éparpillé dans la pièce. S'il y a d'autres questions, parce que là, je vous donne à peu près ce que je sais, mais n'hésitez pas à poser parce que je peux vous en donner plus. Bah déjà, Lynn, il va falloir que tu sortes ta petite mallette et on va reprendre toutes les empreintes aussi. Bah c'est fait, hein. C'est ce que j'ai fait. Hein. Ah oui. Vous pouvez appeler la scientifique si vous voulez que ça soit Ouais, mieux fait. Hein. Plus nettoyé en termes de trucs. Ouais, bah, je pense qu'on va pouvoir appeler la scientifique parce que je pense qu'ils vont pouvoir avoir. Il y a pas de traces de sang, de trucs comme ça. Alors, de sang non. À la limite, si tu veux, je veux bien que tu trouves un préservatif usagé dans la poubelle de la chambre, mais sinon, en termes de fluide, non, y a pas grand-chose. Ben, je ramasse le préservatif et je veux faire une analyse ADN pour savoir qui était la jeune femme. Bah parce que c'est peut-être la petite amie, donc si c'est la petite amie, il y a peut-être moyen de retrouver le mec. Ouais. C'est pas con. Mais la petite amie, je pense. Si c'est une prostituée, bon, tant pis. Mais L'autre chose, il y a quelqu'un qui s'y connaît en informatique pour regarder un premier jet sur l'ordinateur. Moi. Dans ce cas-là, fais-toi plaisir. Taquine en informatique. Enfin, je crois. Vas-y. Éducation, informatique. Moi, j'ai 7. Ah, bah, c'est t'as combien? Ah, j'ai 6. Si tu me dis 7 en éducation, je te crois pas. Tout forme, cabron. Ça va! Oh là! Oh la vache! Ah, c'est un Windows et 10, hein, c'est pour ça que t'as. En fait, j'en ai 8 parce que le premier dé est un dé bleu. Ouais, tu te fais pas chier toi! Ouais! Clairement, tous les périphériques de stockage de l'ordinateur ont été arrachés. Tu trouves quelques boîtes, a priori la personne devait avoir quelques disques durs, plus de stockage et autres. Tout ce qui pouvait a priori avoir des données informatiques a été retiré. Pour le coup, il n'y a pas grand chose à en dire d'autre et malheureusement tu pourras pas démarrer l'ordinateur. Est-ce que pour le reste c'est du très bon matos ou pas? Est-ce que ça me fait penser à un PC d'un hacker qui clairement pourrait être intéressant ou pas du tout? Clairement pas, c'est un PC qui a. C'est un ordinateur qui a. Je rigole, il y a à peine 8 gigas de RAM. Je vais pas chercher la. J'ai la documentation technique de tous les ordinateurs, je vais pas la chercher parce que clairement, on va dire. Par exemple, si on prend ceux du COPS, bah ils sont mieux que ceux-là. Et ceux du COPS, ils sont déjà dépassés. Ouais. C'est clairement un ordinateur qui doit servir.
C'est l'ordinateur que tu vas retrouver chez monsieur madame tout le monde qui s'y connaît pas en informatique et qui l'utilise pas spécialement. Alors là, moi j'avoue que je comprends pas du tout pourquoi on est allé chercher les caméras, enfin les informations personnelles de disque dur du mec, ce mec là quoi. Il travaille à l'aéroport, est-ce que. Ça veut peut-être dire qu'il a communiqué avec quelqu'un. C'est son van aussi. C'est son van, oui, ça je suis d'accord, mais. C'est peut-être lui qui est à l'origine du. Truc, quoi. Peut-être qu'il a communiqué. Il a pas une tête de commanditaire, hein. Il a plutôt une tête d'exécutant. Enfin, non, moi je pense que on c'est peut le. Pas c'est toutes les infos possibles imaginables sur lui, là où il a travaillé avant et tout. Et je pense que c'est le dénom de la farce, quoi. Moi je pense il s'ouvre. Ah. Et il y a une jeune femme. José, t'es là? On se dit police, machin, nous sommes sur une scène de. Il y a un cambriolage qui a eu lieu, patati patata. Et José, il va bien? Il est où? Il n'y a pas de trace de violence, en tout cas, il n'y a pas de trace de sang, donc normalement, il ne devait pas être là lorsque ça a eu lieu. comment rassurer la personne? Il n'y a pas de trace de sang, ne vous inquiétez pas. Madame, mademoiselle, peut-être, je sais pas, madame. Est-ce l'état normal de l'appartement de votre ami? Okay. C'est jamais, il peut être bordélique, hein, le mec. Hein. Ouais, mais à ce niveau-là, ça tient de la con. Mais non, tout est du bordel de compétition. Qui vous a. Mais. Qui s'est passé? Bah, justement, on cherche à savoir. Venons découvrir. Vous avez vu Rick, tu peux l'amener à l'extérieur de l'appartement, s'il te plaît. J'ai pas entendu qui a dit quoi là. J'ai demandé à Rick de l'amener à l'extérieur de l'appartement pour lui parler, etc. Et savoir un peu tout ce qui. Jeune femme, voulez-vous me suivre dehors? Oui. Style, quand elle a vu José pour la dernière fois, etc. etc., etc. Oui, bah après je vais. Je fais confiance à Rick pour se débrouiller. Oui, madame. Quand est-ce que. Vous étiez une intime de Rick. C'est mon petit ami. Ouais, c'est bon, Lynn, t'as plus besoin de faire les trucs sur le préservatif. Ensemble, c'est ce que je me dis. On se fâche un peu, mais j'ai revenu le voir parce qu'il allait pas bien. Ah, et depuis quand l'avez-vous pas vu? Quelle est la fin que vous avez des nouvelles de lui, hein? Alors, tu vas me faire un petit jet, voir si elle crache le morceau ou pas. Hein. Je fais quoi? Je fais en charme. Charme éloquence, ouais, pour le ouais, coup. Charme éloquence. Alors, ça va pas de l'interrogatoire, c'est juste de savoir si elle te. 6. Elle crache un petit peu là. Ou... C'est le plus grand des policiers. Pas réussite. Oh, oui, mais c'est un champion. Bon, alors. La spécialité. Ok. Il m'a dit que qu'il a été viré et on s'est un peu fâché. Mais il m'a appelé hier. Il m'a dit que. Non, pas hier. Il y a 3 jours, il m'a dit qu'il était sur, qu'il avait trouvé quelque chose et que ça irait mieux et qu'on pourrait partir dans les Seychelles ou loin d'ici. Epic d'accord. Fail. D'accord. Est-ce que beaucoup d'argent. Oui. Mais il m'a dit que c'était légal. C'était. Oui. Eh, la question c'est, est-ce que tu sais pourquoi il a été viré? Ouais. C'est pas marqué sur ton rap. Je crois qu'il y avait que. Non, je lui dis, mais c'était. Il travaillait dans quoi à la base? Bah, il était bagagiste à l'Axe. Il a piqué dans les valises. Et ça, c'est vu. Alors. Ça faisait longtemps qu'il travaillait là ou il faisait autre chose avant? Juste une chose, quand Sib interroge, laissez-le finir d'interroger, oui. Ou alors vous êtes avec lui, à ce moment-là, ça me dérange pas. Okay. Mais choisissez qui est avec lui, parce que sinon, je vais avoir du mal à faire à la personne. On laisse Sib tout seul avec elle parce qu'il a son charme naturel qui agit. Non, mais moi je lui parle par radio pour lui souffler des questions. Le mec. Mais alors, elle est comment? Vas-y, donc vas-y, Sib. Elle est comment? il était. Vous l'avez connu quand il était bagagiste ou il faisait autre chose avant? Non, je l'ai connu, il était bagagiste. Bon, c'est vrai que de temps en temps, ça lui arrivait de prendre un truc ou deux dans des valises, mais rien de bien méchant. Mais bon, c'est pas sa faute. Et vous croyez que qu'il lui arrivait quelque chose?
Non, non, pas du tout. On cherche à savoir pourquoi, qui aurait eu intérêt à justement à fouiller, enfin à cambrioler son appartement en fait. Je sais pas, il était pas riche, il n'y avait pas d'objet de valeur normalement. Il disait qu'il comptait pouvoir refaire sa vie aux Seychelles, donc il avait quand même une espérance de quelque chose. Pas de vie peut-être, mais bah oui, mais il m'a dit qu'on devait se voir aujourd'hui parce qu'on partirait aujourd'hui aux Seychelles. Vous êtes ça il y a 3 jours, hein? Oui, mais il répond plus au téléphone depuis. D'accord, depuis trois Vous pouvez jours. nous... Ah, ah, je suis pas là, je suis pas On pourra avoir son numéro de téléphone portable à ce moment-là, si on veut essayer de le joindre ou au moins pouvoir localiser où il est. Il te le donne. Il avait des fréquentations, vous connaissiez ses amis ou des personnes qu'il fréquentait en dehors du travail? Le travail d'ailleurs. Ben, elle. Ouais, rien de ça. En Oui, dehors pardon, vous. de moi, bon, il a quelques amis qui travaillent encore à l'Axe, mais j'ai tout, quoi. Et ça par contre c'est un peu privé, mais il faisait partie d'un club quelconque où il avait des sympathies pour des associations ou des mouvements. Pas à ma connaissance. Enfin, il aime bien McConroy. C'est qui McEnroy? C'est un des procureurs généraux de Los Angeles qui est en course à la mairie pour le parti droite. Ou droite Plutôt normale. pas droite, pas extrême droite, juste droite un peu passéiste, mais droite sécurité. D'accord. Oui, bien extravagant, quoi. Non, non, clairement pas. Qu'est-ce que je peux poser comme question d'autre? Si vous voulez sortir pour l'aider, hein, vous pouvez, hein, si vous avez d'autres questions à lui poser. Hein. Et oui, il a de la famille connue. Enfin, vous connaissez ça. Il a de la famille dans les parages? La plupart de sa famille habite plus sur San Francisco. Okay. Son Je veux père est dire, mort, il reste que sa mère qui est en vie, il va la voir au moins une fois par semaine à San Francisco. d'accord. Et Quand il peut. il possédait bien un van noir, Oui, c'est son véhicule. son véhicule. Je devrais réfléchir. Qu'est-ce qui me manque comme info là? Tu peux demander aux autres, hein. Ouais, il s'y connaissait. Enfin, Pendant ce temps, les autres dans la boutique, dans l'appart, vous me faites un jet de perception sens de flic, s'il vous plaît. Encore. Perception et sens de flic. Le classique 3C7. Demande deux réussites. Si tu peux le faire aussi, mais pour toi, je te demande quatre réussites. Parce que Ah, t'es au mais flic. j'ai que 2 moi, donc Et ben oui, j'en alors ai tu peux qu'une seule critiquer? là. Ah ouais, moi ça va être compliqué quand même, hein. C'est sur quel trait en fait? Perception et sens de flic, donc. Niet. À la limite, vous pouvez le tirer pour les deux qui sont pas loin de. Ouais, c'est dans la voiture, dans l'autre voiture. Pour Daniel, 2 en perception, sens de flic. Alors, c'est quoi? C'est instinct de flic à 7. Ok, je le fais. Et Denis, c'est 3-8. Moi, j'ai fait 2 réussites hein, pour le premier. On peut faire le 3-8. Oh, je ferai 3 assez vite, hein, si vous voulez. Et 2. Ok. Les deux qui sont dans la voiture et qui surveillent les alentours, vous signalent qu'il y a une voiture qui s'est arrêtée et a priori il y a un gars qui est en train de prendre en photo la maison et les deux qui sont dehors. C'est-à-dire Rick et la nana. Bah, Et un on leur couple. demande d'aller les intercepter, non? D'aller les intercepter pour lui demander ce qu'ils Je font vais là, vous en disant demander de le jouer police, est-ce vous, hein, qu'ils scènent vu des qu'ils sont pas crimes? là. Je vais vous demander de le jouer vous, vu qu'ils sont pas là, pour le coup. Bah, moi, le problème, c'est que je parle avec la meuf, donc Oui, je sais. je leur dis, allez, les gars, il y a un type qui prend en photo, allez lui demander ce qu'il fait là. C'est une scène de crime. Guillermo et Lynn, vous êtes là? Oui, je suis là, mais je ne sais pas quoi faire. Bah, va intercepter le Je gars qui prend les sais. photos, bordel. Ben, Oui, mais enfin. je vais aller l'intercepter, mais je vais aller doucement, quoi. C'est un appareil photo qu'il a, c'est pas un fusil mitrailleur. Hein.
Oui, je sais, mais on Bah, va tu es juste obligé demander ce d'aller qu'il en fait. courant, tu peux dire au monsieur. Une grosse berline noire qui est devant. Benz. Je sors. La voiture, elle démarre, fond la caisse tout droit. Je prends la plaque. Hein. J'ai le temps de tailler la plaque, ouais. Ouais, clairement. Ok, je me note la Oh, plaque. ça va être du Ku Klux Klan, hein. Je demande juste à un ange si on peut me faire une recherche sur une plaque Bah, les autres le minéralogique. Et font dans la bagnole. Je te le dirai une fois que vous serez sorti de la scène de crime, pour le coup. moi, je fournis aussi le numéro de téléphone pour savoir si on peut faire une recherche dessus. Sur le truc là? Ouais. Sur une Ouais. personne. Et puis j'annonce qu'il y a une personne qui a été liquidée, ça fait 3 jours qu'on n'a pas de nouvelles. Tu pourrais afficher des personnes disparues, quoi, Ouais. signaler. Bon. Reinhardt. Ok. Et je dis à la bonne femme, je lui laisse ma carte, je lui dis s'il y a quoi que ce soit qui vous revient en mémoire. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions à lui poser que vous avez comme idée les deux autres? Si elle connaît un ami à lui, un Oui, collègue de Salax, hein, bureau. ceux qui connaissaient. Bah, comme elle dit, en fait, les seuls collègues elle connaît quelques-uns de ses collègues qui travaillent encore à l'Axe. Elle peut vous donner des noms s'il y a Ouais, besoin. je vais Et bien elle a prendre même des les noms. numéros de téléphone. Ah, elle est bien cette femme. Ouais. En même temps, j'ai fait 3 réussites en charme et je me commence. Bah, par défaut, par hasard, il n'y aurait pas le portable du gars dans l'appartement. Bah, t'appelles? Pour voir si ça sonne. Ouais. Ça sonne. Merde. Problème, c'est sur le téléphone. Et sous le lit, planqué. A priori, Je t'as veux échappé voir. au. Je veux voir toutes les conversations qu'il a eues par mail et les téléphones qu'il a Tu fais le contactés. tour des conversations rapidement. Ce qui te retient ton attention, c'est 24 heures avant le Le truc. casse. C'est un lieu de rendez-vous et une adresse. D'un numéro qui est masqué en fait. Numéro masqué, rendez-vous à telle adresse, telle heure. Avec le van. D'accord, il était complice en fait. Je pense que moi Et c'est mon l'heure des idée mecs c'est qui qu'il sont a. morts. Je pense que lui il a trouvé des renseignements dans ou un truc dans une valise qui lui a dit qu'il y avait des choses à récupérer quelque part au Ku Klux Klan. Ce qu'il a fait. Sauf que lui c'était le chauffeur et qu'un des mecs qu'il a recruté pour ce coup comment dire. À renégocier les conditions, comme ça. Et tout le bordel là où on est capable d'estimer à peu près à quand ça remonte. Ouais, c'est pas idiot. Le déménagement là? Le cambriolage, ouais. C'est difficile à dire, mais vu les jets faits. Oh, C'est bon. Ouais. paru moins de 3. Enfin, ça date d'avant ou après le. Oh, Quand... ça date d'après, hein, clairement. Ouais, ça date d'après. Donc ça veut dire De toute que. façon, a priori, bon, si tu veux, en gros. Il était là, il y a de ça 72 heures, il était encore là, vu que son téléphone avec le message est là et le message est lu. D'accord, donc ça veut dire qu'il s'en est sorti, même s'il a déposé son van. Non, le téléphone était là avant le. Enfin, 72 heures, excuse-moi. Le téléphone, il est là depuis. Truc. Bon, enfin, je sais pas. De toute façon, dites-moi ce que vous voulez faire, parce que Là pour l'instant, on va juste prendre ses coordonnées pour pouvoir la recontacter quand on voudra, parce que je vois pas trop ce qu'on va pouvoir lui demander de Ouais. plus. C'était quoi l'adresse du lieu de rendez-vous? L'aéroport, a priori. Non. Ah non? Ah non, Il y non. a rien. Le lieu de rendez-vous c'était à Downtown. À Downtown LA. Pas très loin de la maison du fin du White Plutôt Rover le 88. sud de. Ouais, le sud-ouest, sud-est de Downtown LA, donc non, pas vraiment au niveau de là où il y a le truc. Attends, quoique, excuse-moi. Non, non. Tu réfléchis pas Downtown LA, excuse-moi. Non, non. South Central. À South Ouais. Central. Au nord de South Central, c'est-à-dire South Central, c'est-à-dire là où vit actuellement. Comment il s'appelle Daniel, qui est en fait le seul quartier de South Central, le quartier de South Central qui est en rénovation. Donc où il y a beaucoup moins de gangs, beaucoup moins de meurtres, et une équipe de police qui est là. Ok. Donc ça reste quand même au sud de Downtown LA, en fait.
L'historique, c'est ce truc qui était intéressant. Il n'y avait pas dans les mails ou dans je sais pas quoi. Bah, le reste, en fait, il n'y a pas d'autres messages d'autres Ouais. numéros. Pas du moins, il n'y a pas de choses suspectes en dehors de. Il n'y a pas d'autres communications à part des messages de la nana qui sur le répondeur qui demande où tu es, qu'est-ce que tu fais là, ou pourquoi tu réponds pas, je passe te voir bah, ce soir, parlant du soir actuellement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Y a pas de photo ou de vidéo? Ouais. T'as des photos de lui et de la nana. Ah, bah, les photos de lui, on va en prendre une bonne. Pas de soucis. Histoire de pouvoir peut-être faire circuler sa Attention pour l'envoyer tronche. au fichier des personnes disparues aussi. Hein. Oui. Ok, et donc là en fait notre piste qui nous reste, on demande une voiture de flic pour nettoyer, de venir pour nettoyer la zone de le truc là, non? Vous avez dit de toute La façon qu'il y a police scientifique surtout. la police Forcément, il y a scientifique. une voiture de flic qui va venir pour garder en fait le bâtiment. Ok. Et ben sinon, il faudra peut-être qu'on aille au lieu de rendez-vous, hein, non? On peut y faire un saut, j'y crois pas trop, mais ça serait con de louper ça. Donc Moi, je ouais, serais on plutôt peut. tenté pour aller au commissariat de South Central, celui qui est proche de la zone, et demander aux flics locaux s'ils ont des idées de qui donne rendez-vous là-bas, quoi. Ah, ça, on peut poser la question par radio, carrément. Ouais, Tout à carrément fait. par radio, tu peux le faire. Moi, je serais quand même d'avis de faire un saut au rendez-vous, ça Ah, serait con pareil. de louper un truc là-bas. Bah oui, pareil, oui. Vous allez là-bas? Ouais. Et le rendez-vous, la date, elle est il y a longtemps. Bah c'était en gros la journée avant le On rendez-vous, casse. c'était pour la journée juste avant la nuit où il y a eu le cambriolage, quoi. Ouais, moi je pense, ça confirme mon idée, c'est qu'il a. Il a trouvé un truc, et puis il a voulu jouer au dur, et puis le mec il s'est retrouvé avec des plus durs que lui, quoi. Ouais, mais bon, faudrait savoir exactement. Le truc, c'est qu'il a, il y a Ça 3 jours, il dit. explique pas le cambriolage de sa maison. Ça veut dire qu'il a Ouais. peut-être voulu jouer au dur, mais il a peut-être récupéré un truc. Et je Oui? pense que là, il faut battre le Ah, flambeau qu'il ait mais c'est joué. facile, le cambriolage de la maison, c'est le Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan était au courant le mec avait trouvé les valises, et ils l'ont fait virer de l'aéroport. Le mec a voulu se venger en voulant voler l'ordinateur qu'il a appris en volant un truc dans l'aéroport. Non mais attends, Et... il aurait pu monter, il n'avait pas assez d'argent pour pouvoir Ouais, monter un mais... commando avec 5 En personnes. Hein. plus, oui, c'est un commando ultra Ben... spécialisé. Le mec, c'est une petite frappe qui vole des trucs, ça Ben, colle. c'est ça qui... Je suis d'accord, mais pour moi, ça colle, ça. C'est que il a, je pense, annoncé une annonce un peu publique dans les réseaux underground pour dire qu'il y avait du cash à se faire à un endroit. Ah, bien sûr. Et c'est comme ça qu'il a réussi à monter. Et en fait, ou Non, mais je alors, il pense a qu'il a été plutôt été recruté pour être recruté pour un chauffeur. Je truc. pense qu'il a été recruté parce que c'est un pauvre gars qui allait se faire virer. Donc, comme lui, il faudra Il enquêter a sur les essayé de les amis de doubler l'Axe. pour essayer de se faire Au un max fait, de blé et t'as ça a pas mal donné le nom tourné. de ses amis de l'Axe. Ok, alors. Que je retrouve les noms. Alors, t'as trois numéros de trois personnes. T'as Ramon Kinsley. T'as numéro, hop. T'as William Perry. Mais il est pas mort, lui? Pourquoi? Il a péri. Jonathan E. Jerry. Là, on peut faire une première recherche pour savoir s'il y en a qui ont des antécédents. Ouais, tu peux faire une recherche dans le dossier, dans les divers dossiers et tout. Tous les quatre, ils travaillent tous les quatre à l'Axe, tous les trois à l'Axe. Il y a deux bagagistes et comment s'appelle, un agent d'entretien. Leur dossier pour deux d'entre eux sont, bah, il n'y a pas de, il y a quelques PV, enfin il n'y a pas de grosse Ouais. de criminalité apparent. Et il y en a un qui a eu de, quand il était gamin, qui a fait un autre taule. Enfin, un an dans un centre pour les gamins de redressement, quoi. Parce qu'il avait fait des conneries, style des petits vols à main armée quand il avait 12-13 ans. Pour Jonathan Jerry. Ce serait intéressant pour savoir s'il y avait des. Comment il. En fait, la question c'est comment il a pu rentrer en contact avec les gars qui préparaient le casse, quoi. C'est comme ça que je vois les choses. Je pense qu'il a été recruté, il a joué au malin, il s'est fait buter avec sa camionnette et puis basta quoi. Il doit avoir une info intéressante. Mais a priori, rien ne dit qu'il est mort en fait, hein. Non.
Peut-être Non, pas, mais justement, c'est pour ça qu'il Mais à mon avis, il a dû récupérer une info qu'il n'aurait jamais dû avoir et que ça a tout déclenché. Il a voulu un peu l'exploiter et tout. Ah bah oui, ça j'en suis certain. Bon, au lieu de rendez-vous. Hein. Et puis après, on appellera les trois. On essaiera de voir. Donc, lieu de rendez-vous arrivé, c'est des box. C'est un entrepôt de box. Oh. Il y a une guérite ou un truc comme ça? Oui, il y a une guérite, il y a des caméras de surveillance qui surveillent l'endroit. Ah bah voilà, bah on va pouvoir regarder les caméras de surveillance. À l'heure de rendez-vous. Bonjour. Bonjour. Cops. Nous enquêtons sur la fin. Nous, il y aurait eu. Nous voudrions voir les bandes à telle heure, tel jour, par rapport à une personne qui aurait dû arriver en vanne noire. Vous avez un mandat? Non, pas là, mais on peut aller chercher, on peut en faire un s'il le faut. Bah, si vous avez un mandat, je veux bien, mais sans mandat, je vous montre pas les bandes de caméras vidéo, on saura pas. Et vous n'auriez pas vu, vous étiez le garde, en fait, il y a, je crois que je donne la date du rendez-vous. Non, c'était pas moi. Comment on fait pour avoir un mandat? On va voir un juge. Si tu es procureur. Par contre, on peut demander un avis de recherche, hein. On a la photo du mec, au Ouais. pire. Oui. On va publier un avis de recherche, on va essayer. Là, ce soir, on l'a mis au truc des registres des personnes perdues. Hein. Personnes disparues, pardon. Perdu, Dans tous les cas, si on le retrouve il pas est au bout d'un 6h an du et un matin. jour, on peut Vos considérer qu'il y allers-retours, a. tout ça, il est 5h du mat actuellement. Ok. Bon, on va peut-être commencer à faire les démarches administratives et voir ce que ça donne au niveau des. Ouais, comment tu fais? Quand on met la personne au registre des personnes disparues, ça déclenche des recherches ou pas? Ça dépend en fait de l'importance du truc en fait. Hein. Ouais, faut faire un Ben, rapport quand restez même. Hein. sûr. Il est en rapport, personne disparue, en rapport avec une enquête pour sur Terrorisme. un quintuple meurtre. Je pense que c'est déjà Et assez pas mal, quoi. oui, et préparation de. Et voilà, et quand même, il y a une question du terrorisme. Hein. T'as des engins piégés partout. Hein. Dans tout le cas, bah, ce qui risque de se passer, c'est surtout que la plupart des flics vont en entendre parler, quoi. Du coup, ils vont avoir l'avis de recherche et vont le voir. Maintenant, il n'y aura pas une recherche active. Hein. Ça va être. Est-ce que vous l'avez vu? À la limite, si vous avez... Après, il faut pouvoir avoir un truc genre publié dans un quotidien ou dans la presse et il faut alerter la presse. Hein. Ouais, pour moi, on va peut-être éviter. C'est vous qui voyez, hein, tout de son danger. Là, qui ont essayé, ils ont bien fait. Moi, je rentrerai bien au bureau pour commencer à faire ma demande de mandat pour la vidéosurveillance. Ouais, de toute façon, Juste notre temps en va même temps bientôt que se vous dites ça, terminer. l'autre voiture vous dit qu'ils ont le nom de la personne à qui appartient la voiture qui était là. Ouais. C'est une voiture de société qui appartient toujours à la même société de sécurité. D'accord. Donc eux, attends, s'ils étaient là, ça veut dire qu'ils savaient, qu'ils connaissaient l'endroit et qu'ils le surveillaient. Hein. Ben oui, forcément. Ils t'ont pris en Oui. photo, toi et la nana. Et la nana, au fait, on a fait une recherche sur elle. Rapide, a priori elle est serveuse dans un bar du coin de l'Alax. Il n'y a pas grand chose à tirer du truc. Enfin, il n'y a pas quelque chose qui en ressort de la recherche. Hein. D'accord. Bah moi, je fais le dossier, hein, vu que je suis bon en bureaucratie et en procédure interne. Mon mandat. Alors pour le coup c'est pas un dossier, hein. Tu vas voir le substitut du procureur qui s'occupe de ça avec un dossier. Tu fais le dossier puis après tu vas aller le voir pour C'est négocier. ça, exactement. Ok, les autres. Alors, il y a plusieurs choses à voir là-dedans. Les empreintes qu'on a relevées dans la fourgonnette, plus toutes les empreintes qui ont été relevées au Ok, empreinte à domicile. gauche et les trucs On va qui essayer de faire un coïncident. maximum de demandes par rapport à ça et avoir des noms, si jamais il y a des casiers. Ok, bah de toute façon là je vais vous faire faire les jets, je vais juste vérifier que je me trompe pas dans les jets. Hop, tout, livre officiel c'est celui-là, non c'est celui-là. Ah, ah, ah. Non. Ok, excusez-moi. Alors, tac, tac, pollution,
9. Hop. Base de données, parce que c'est ça en fait. Récupération. Oh. Hop. Voilà. Donc, les empreintes, comment ça marchait? Déviance sexuelle, c'est pas ça. C'est quoi ça? C'est les vidéosurveillances. ASF, analyse sample fill, dossier échantillon. File peut-être. File, mais... excuse-moi. Ça c'est là où était en. Ça, c'est le niveau de l'information, géostatistique, non, ça vous intéresse pas pour le moment. Ah voilà! Empreinte digitale. Donc, niveau de l'information niveau 3. Et donc, bah, je vais vous demander un petit jet bureaucratie, éducation bureaucratie ou bureau ou éducation informatique. Moi, je fais éducation bureaucratie. Sachant que ça va vous prendre 15 minutes pour chaque empreinte digitale. Ok, c'est 4-6. Et j'ai pas de bonus de procédure. Non, c'est pas une gestion de procédure interne, ça. Si tu fais des critiques, ça diminue. Non, c'est pas la gestion interne, hein. Clairement. C'est sur midi, éducation et bureaucratie. Et si tu fais des critiques, ça diminue de le temps en fait. Ok. Pour chaque. Là, c'est pourquoi. Alors, là, c'est pourquoi c'est le premier. Moi, j'en ai fait un informatique. Ok, informatique pour la première empreinte. Ouais. Donc c'était ok. Donc il faut. Sachant que c'est niveau 3, ouais. Donc ça, ok. Tu trouves ton information sur le premier. La première, une des empreintes que tu trouves du van, c'est les empreintes de, de notre très chère personne qu'on recherche là, hein, José Riedard. C'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est qui sont sur le volant. Ok, donc c'est bien le conducteur. Je vais essayer aussi. C'est véhicule, hein. Ça aurait été étonnant de pas les trouver. Okay. Je vais essayer aussi les empreintes avec éducation, bureaucratie, mais bon courage, parce que c'est éducation. Ah, ouais. Oh. Tu mets plus de temps, tu finis quand même par toper l'info sur une des empreintes. Ça correspond aux empreintes des de... hop, attends. John, comment? John de Barbier. Barbie. Ouais, de Barbier, ouais. Là-dessus. Ok, d'accord. Donc c'est bien ceux qui étaient... On a le lien en fait, ils étaient bien dans le van, c'est bien le van qui a servi, il n'y a pas de souci. Maintenant c'est sûr, clair, certains sont. Vas-y, allez, hop, Ralph Roman. Ouais, d'accord, donc c'est bien ça, c'est confirmé. Ensuite, il reste d'autres empreintes Vous essayez de comparer, hein, de toute façon, donc continue, et je te dirai jusqu'à que tu. Ça... Oh, je peux réessayer, mais de toute façon, c'est du coup de bol à chaque fois, parce qu'avec 2 dés seulement, c'est pas juste. Ah. Deux succès. Ouais. Ah oui, c'est un bleu. Ah oui. Clairement, tu penses que ça doit correspondre à Kara Chander, le quatrième jeu d'empreinte. Guillermo, bon bah, c'est mort. Hein, Bah oui, c'est mort, putain. Moi, j'en fais 3. J'ai plus les accès. T'as un jeu t'as un jeu qui correspond à Seven Schmind, ou je sais pas comment. Et okay. Il reste Ralph Roman et de toute façon par déduction ça va forcément être lui. Non mais on l'a déjà. Ah oui, c'est là. Vous avez les 4 et il y a plus de jeux dans. A priori il y a pas d'autres jeux d'empreinte dans le van. C'est 5 là. Et on a tous les cadavres sauf le dernier qui est José Volant en fait. Putain c'est lui qui aurait tué tout le monde. Non, parce qu'il est parti, celui qui... Ah non, tu me diras... Le van s'est barré avant quand les 5 sont rentrés. Ouais, il a déposé les trucs, il s'est barré après. Donc lui, c'était le chauffeur, il s'est cassé après. Il y en a un qui a pas laissé d'empreinte. Il y en a un qui a pas laissé d'empreinte, parce qu'à mon avis, il avait des gants, parce qu'il est pas con, lui. Ouais, il avait préparé son coup. Donc José Reynard, t'étais bien le chauffeur de l'autre côté. Et donc, à mon avis, il a essayé ou il a dû essayer de récupérer un truc ou comme ça, et ça s'est mal passé. Et les autres ont voulu chercher le truc en question. Ben, en fait, le mec Reinhardt, là, c'est le seul qui peut identifier le tueur, en fait. Tout à fait. Parce que forcément, le tueur était avec eux. Et c'est peut-être pour ça qu'il est en cavale, et c'est peut-être pour ça que le tueur le cherche. Et le van n'a pas explosé. Ouais. Ouais, et... Donc il s'est cassé avant.
Est-ce la porte que. derrière qui était piégée, ouais. Pas la porte devant. Est-ce que, est-ce que Reinhardt a d'autres voitures à enregistrer à son nom? Non. Est-ce que sa petite amie en a une? On va appeler sa petite amie, on va savoir si sa voiture est toujours à disposition. Impeccablement, sa petite amie. Non, mais elle serait pas venue, c'est con. Vous appelez son numéro, ça répond pas. Ah putain, elle s'est fait enlever par Ku Klux Klan. Qui est en train de balancer, elle est en train de. Y a pas eu de. Elle a pas fait déclaration de vol de voiture récemment, elle? Non. Jamais. Est-ce qu'on peut demander en urgence une localisation d'un portable? Ouais. Alors, ouais, là, on va le faire ça. Tout de suite. Si tu me dis éducation, je vais te haïr. Bah, c'est pas moi qui vais la faire, c'est celui qui a le plus. Hein, j'ai 4 en éducation et j'ai 6 en bureaucratie. Allez, et en procédure interne, j'en ai encore plus. Allez, procédure interne. Ouais. Alors, j'ai 5 en éducation, hein, mais j'ai pas autant en bureaucratie. J'ai 4-6. Allez, vas-y, envoie. Mais ça fait quoi au fait mon stage? Attends, parce que faut que je me remette dessus. Alors, gestion de procédure interne. Plus 1 avec le personnel interne et moins 1 dé avec le personnel sur terrain. T'as plus 1 dé pour oui. Tout ce qui est les relations d'accord. Avec le personnel interne et t'as moins 1 dé sur toutes les relations avec le personnel sur le terrain. Donc je suis à 5, 6, 6 là en l'occurrence. T'as un dé de plus. Raté. Un C majuscule. Je me suis dit c'est impossible. Je peux pas louper. J'ai 4. Non, bon. Clairement, les anges te demandent un peu de temps. Ils vont essayer de localiser, ça va prendre un petit peu de temps de trianguler. Ça vous donne le temps de vous mettre aussi en voiture, prêt à partir hein, aussi. Ouais. On se prépare. Ok, vous avez une destination, une adresse qui est dans Downtown LA et qui correspond au siège social de la boîte de sécurité. La même, donc. Que je retrouve bon, à chaque bah fois. Je pense que là, il va nous falloir un mandat, il va falloir couvrir nos. Contact 3000. Il faut qu'on contacte le chef. Ouais, on contacte le chef. Allô? Bah voilà, nous sommes en train d'enquêter et nous étions en train de monter la pente. On a un des suspects donc, dont on a lancé l'avis de recherche là. Et sa petite amie s'est pointée, une voiture de la sécurité nous a pris en photo et maintenant, alors qu'elle a aucun lien avec eux, la personne ne répond plus. Il se retrouve au siège de la boîte de sécurité du Ku Klux Klan qu'il a photographié peu de temps avant pendant qu'elle nous réponde à nos questions. Et nous pensons que ça se passe pas très bien pour elle. 2 secondes, vous êtes où là? À partir. Sur la route. Non, on est sur la route, on est en train de partir vers là-bas. Ok. Vous allez où là exactement? Au siège de là où son portable a été repéré la dernière fois. C'est-à-dire okay. Au siège du service de sécurité du Ku Klux Klan. J'essaie de réveiller le substitut du procureur pour que vous ayez un mandat en bonne et due forme. Sauf si vous voyez la voyez dans le bâtiment et qu'elle a l'air en danger, vous pouvez pas rentrer dans le bâtiment comme ça. Hein. D'accord. C'est bien pour ça qu'on appelle. Voilà, donc mettez-vous devant en intervention. Dès que j'ai le mandat, je vous l'envoie sur la voiture. Et il arrivera physiquement dans les 5 minutes, le temps qu'il arrive du truc. D'accord. Donc, voilà. Ok, ben on va se mettre. On va essayer de se garer pour pas être trop visible, mais qu'on ait un visuel sur le bâtiment et puis on oh, attend. Ça reste une voiture de flic. Hein. Bah oui, je sais, mais bon, c'est pour ça que. Fais-moi ton jet de. Éducation. Discrétion. Ouais, ça va être discrétion, mais je sais pas quoi mettre en. T'as pas de carrure, perception ou éducation. Non, ouais, coordination, discrétion, allez. Ok, moi j'ai 3 non, C6. Non, c'est lui qui conduit. Hein, Qui conduit? C'est cool parce qu'en discrétion je suis bon. Ouais, ça peut être sans froid. Ouais, pas faux, sans froid sinon. Bon choix, Clon. Il y a un Guillermo. Oui. Lance tes deux. C'est Guillermo qui conduit. Hein. Ouais, c'est bah oui, c'est pour ça. Discrétion. Non, parce que si c'est moi, on va tous mourir. Hein. Bah moi aussi, moi je peux. Discrétion hein, mais... sur quoi? Sur. Temps. Ok. Classique. Un succès. Ouais. Ouais. Bon, ouais, c'est sûr pour pas faire opérer, hein. Ouais, en même temps, c'est une bagnole banalisée, hein. Ne demandez pas quand même l'impossible.
Bah, elle est bas, analysée. Et bon, tous les autres, bah, tout le monde, perception et. Ouais, bah, perception, tout court, pour le coup. Sur 6. Ouais, sur 6 et 3 réussites demandées. Ah ouais? Ah ouais, carrément. Ouais. Ah, c'est taquin, là. Ah bah. Oui, c'est taquin, mais. Ah ouais. En effet, pour certains, c'est très taquin. C'est difficile, hein. Attends, faut pas qu'on soit se repérer, mais faut repérer. Vous voulez lancer pour les deux qui sont pas là? Ouais, allez. Alors, il y en a un. Il a deux. Daniel a deux. Denis, il est à 3. Et et Dany, il est à 2, ouais. Bon, bah, je le fais le dernier. Bon, bah, yes. Bon, bah, voilà. Bon, bah, vous avez un coup de fil de votre chef qui dit, bon, bah, c'est bon, vous avez l'autorisation. Il arrive, donc dans les 5 minutes, vous avez le papier qui arrive. Ok, bah, on rentre. Sérieux, on n'a pas d'imprimante à l'intérieur de la voiture pour imprimer ce genre de document? Bah, en fait, il faut qu'ils soient bien signés, hein. Sinon ils sont très tatillons. Hein. Pour le coup, le truc pour la sur la. On a peut-être fait sécession avec les États-Unis, mais on a arrêté. Dans genre de cas. Du coup, on peut sortir du. On a hérité de la bureaucratie quand même. Hein. L'oublie pas. On connaît à peu près s'il y a plusieurs entrées, parce que ce serait bien de laisser un planton à chaque. Mais on peut sortir en fait et déjà préparer l'assaut en fait. Mais pourquoi faire l'autorisation d'entrée, alors... Oui, c'est bon, on a le mandat, donc il arrive, c'est bon, on peut y aller. Non, mais vous l'avez. Ouais, bon. Okay. Bah, on y va, sauf que moi je laisserais bien un planton devant chaque issue du bâtiment, hein, vu qu'on a 2 mètres. Bon, on va demander du renfort, histoire de couvrir ça. En fait, on est 5 en fait, remarque, c'est peut-être pas la peine. C'est pour ça, on en met un sur chaque entrée, et puis les deux qui sont pas là. Ouais. Ouais, on va faire ça comme ça. Donc les deux autres couvrent les entrées et vous entrez dans le bâtiment. Yep. Il y a une personne de la sécurité qui fait « Non, je peux pas vous laisser entrer, c'est privé. » On dit « On a un mandat du procureur, nous savons que telle personne se situe là. » Voilà. Mais il est livide. Si vous voulez pas vous retrouver dans le Newf pour obstruction à une enquête en cours, vous avez intérêt. Amenez-nous à elle. Voilà. Bah, il ouvre le bâtiment, il dit, vous pouvez aller où vous voulez, hein. Moi j'essaie quand même. Oui, de... alors. Quelqu'un qui est bon dans éloquence, je lui dis, vous savez que si jamais. Enfin, nous savons que la personne est là, vous amenez nous à elle, sinon vous risquez d'avoir des problèmes quand même, parce que. Voilà, faites preuve de votre bonne volonté. Moi je lui dis, si on la retrouve et qu'elle a été blessée, je lui pourrirai la vie jusqu'à la fin et je ferai en sorte que ce soit lui qui soit accusé de ça. Non, qui sera complice en tout cas. Oui, qui sera complice, évidemment. Qu'il soit dans le lot des complices et que si il lui arrivait des choses et qu'on la retrouve à temps grâce à son aide, il pourrait revoir sa famille un jour. On voit ton jet de. Soit de rhétorique, d'intimidation. D'intimidation, ça se couvre entre les deux pour le coup. Ouais, bah, je prends rhétorique moi. Hein. Là, je crois intimidation. Hein. Ah, d'accord. Bon, c'est 4-6. C'est. Bah, au choix. Réto ou intimidation. Carrure ou sang froid pour l'intimidation? Sang froid là. Pour le coup. C'est cool. Bah, je suis. J'ai 3 réussites. Ouais, j'ai vu. Il n'y a plus qu'à voir Lynn. 2. Ah. Bah disons que lui, c'est pas son jour. Hein. pourquoi t'as lancé un des 10? Parce que j'ai un stage qui me permet de relancer un échec sur un jet d'intimidation. Ah bon, bah de toute façon. Voilà. Dans tous les cas, le mec, il a. Il était livide, il vient de. Ils sont au deuxième. Et il vous donne le bureau. D'accord. Bon, bah on y va. Merci citoyen, la merci. Police vous remercie de votre coopération. Dire que de votre bonne volonté. Allez, hop, on va grimper 4 à 4 et on va aller au deuxième. Ouais. Ouais. Vous êtes comment en fait? Vous avez dégainé vos armes ou pas? Enfin, votre arme. Pour l'instant non, parce que pour l'instant je pense pas qu'on nous menace. Arrivé au deuxième, vous entendez de là où vous êtes une nana pleurer. Bon, on tape à la porte et on dit police et on entre.
Non, alors, vous tapez à la porte, vous disiez police et vous rentrez en même temps, dans le même mouvement ou Bah oui, hein, pendant qu'on y est, de toute façon on a le mandat donc. C'est okay, juste ouais. Pour Trois dire personnes bonjour. face à vous, une nana attachée, avec une personne avec des poings américains qui sont pleins de sang. La nana a la figure pétée avec du sang dessus. Ah oui! Et, et un des mecs a un pistolet silencieux qui est planqué sur la tête de la nana. Et eh ben là on dégaine. Ouais, on aurait peut-être dû le faire avant, mais. Ok, après avoir dégainé, votre action tout de suite. Attends, est-ce que. J'ai mis la caméra. Est-ce qu'on peut se jeter Radio. Sur le gars et essayer de l'immobiliser, celui qui a l'arme? Ouais, mais à ce moment tu dégaines pas. C'est ce que je pensais faire, ouais. Ok, vas-y, fais-moi ton jet d'immobilisation, à la limite. Ça va vite fait, parce que les autres, ils sont pas assez armés pour se défendre face à des armes à feu. Alors, c'est quoi le jet? Ça va être... Alors, ça va être carrure, déjà. Ah non, réflexe, pour le coup, parce que c'est ça va être rapide. Réflexe, ouf. Et je suis en train de regarder corps à corps immobilisation. 7. Ouais, ça va être un échec lamentable. Hein. Dans tous les cas, il suit une réussite, ils s'y attendent pas, le mec. Hein. Non, vu mes stats. Voilà, vu mes stats de merde. Les autres, vous faites un jet d'intimidation pour savoir s'ils lèvent les mains, les gars, ou s'ils sont assez impressionnés pour. Ouais, c'est surtout qu'on les menace, hein. Le ça, premier non, qui bouge, je les plombe. Vous avez que les cops, machin. Est-ce que, en gros, si vous ratez votre jet d'intimidation, la nana se prend une balle. C'est quoi, sans froid intimidation carrure intimidation ou sans froid intimidation, l'un ou l'autre, au choix. Et je veux pas le faire, moi, du coup. Bah non, toi, tu t'es jeté sur la personne. Attends, c'est quoi les trucs qu'on peut utiliser comme modificateur? Utilisez vos points d'ancienneté, si vous en avez. Moi, j'en ai un qui doit traîner, mais ou je vais voir si j'intimide ou pas. Ouais, j'intimide. Ouais, clairement. Tu baisses ton flingue, héros des putas, ou je te plombe. Ils lèvent tous les mains et posent le flingue. Je m'occupe de la blessée. Renfort, non, et puis pour qu'on puisse faire une répercussion. Déjà, tu les menottes, hein. Déjà, on écarte les armes et on les menotte. Attends, et surtout, on appelle une ambulance. On les fouille et on les menotte. Ok. Et il faut s'occuper de la nana, est-ce qu'elle va bien? Ouais. On va appeler une ambulance aussi. On a fait une ambulance, ouais. Elle est dans un sale état, en effet. Je peux faire un premier secours? Ouais, ouais, clairement. Éducation? Ouais. Cool. T'as combien? J'ai 5 en intelligence, et ça c'est cool. Voilà. Ça c'est cool. Fais gaffe, ouais. Hein, je pourrais faire comme dans INS, hein, si tu fais des échecs, elle va crever. Ouais. Moi, je peux faire du 4C8 si vous voulez. Hein, Non, mais c'est bon, il est dessus. Ses jours sont pas en danger, hein, elle a perdu quelques dents au passage. Ouais. Elle s'est bien fait éclater le visage, et a priori, tu vois qu'a priori elle doit avoir une jambe cassée. Bizarrement, c'est con, hein, mais en déplaçant les hommes menottés, il y a une chaise qui va aller pile poil dans les. Enfin, un dossier de chaise qui va aller pile poil dans les couilles du mec qui avait le poing américain. Fais gaffe, t'es quand même filmé, hein. Oui. Ah, c'est con. Je dis aux deux autres plantons là de laisser sortir personne. Ouais, les deux potes qui sont aux... Alors, aux entrées. C'est quoi le nom des trois gus qu'on a arrêté là? Alors, pour le coup, pour l'instant, t'as pas eu le temps de leur demander. Mais on bouffe le machin, je demande des renforts pour pouvoir fouiller tout le bâtiment parce que on a une séquestration. Je dis qu'on a une séquestration, torture et tout le balade et tout le travail. Ouais, bah on va déjà leur dire leurs droits déjà parce que. Ouais, hein. C'est fait déjà. C'est fait. Les droits, c'est bon. Alors, générer. Hop là, donc, nous avons Paul Gartner, la personne armée de l'arme à feu. G-A-E-R-T-N-E-R. Paul Gartner. Redis-moi ça. Ok. Hop, je te le refais un copier-coller. Voilà. Ça, c'est celui qui avait l'arme à feu. On a Marco Scholz. Pareil, je vais vous faire un. Et tu sais, tu peux copier-coller dans Rollsteam. Hein, ouais, ça sera plus simple parce que j'ai plus le truc dans. Roll
les stimuler. Hop, Marco Scholz, paf. Et le dernier, ils sont tous grands, baraqués, boule à zéro. Comme par hasard. Alors, moi je soupçonne que c'est un groupe de fans de Zouk. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait les points américains? Martin Cross. Bah, on va commencer à fouiller tout le bordel, non hein, et à interroger les... Alors, bah, à cette heure-là, il n'y a pas grand monde hein, dans le bâtiment. Bah, j'essaie de savoir. Ouais. J'essaie de savoir ce que les trois mecs lui ont demandé à elle. Enfin, je soupçonne que c'est la localisation de son mec, mais... Il demande à la nana? Oui. Ouais. Bah oui. Clairement, ils lui ont demandé... Alors, les questions qu'ils lui ont posées, c'est où est l'ordinateur? Où est la liste? Où est ton copain? Et pourquoi il a tué les quatre autres mecs? Enfin, les quatre mercenaires. Ah oui. Là, c'est pas dit qu'ils ont qu'ils aient votre puissance de déduction. Oui. Bon, mais en tout cas, il y a une liste. Il y a un ordi et une liste, ça c'est déjà... Pourquoi il a tué les quatre mercenaires? Ça veut dire que les quatre mercenaires étaient avec eux? Bosser pour Ku Klux Klan? Non, non, mais justement, c'est notre tueur qui a buté tous les autres, c'est peut-être ma Rosé, mais je sais pas, j'en doute, ça colle pas avec le personnage. Ça colle pas, non, non, c'est une autre personne, mais je pense que eux sont pas au courant qu'il y avait encore une autre personne. Ouais, je pense qu'il y a... Mais la question, c'est que du coup, moi, je vais voir avec eux, et du coup, on va peut-être le faire en interrogatoire au commissariat, mais il faudra voir si ceux qui savent de la liste, en fait. Mais clairement, déjà, de base, ils sont inculpés pour séquestration, torture... Alors, j'aurais pas porté... Et vous pouvez même leur coller la disparition du gars, hein, au passage, si vous avez moi, techniquement, j'essaierais de leur coller tentative de meurtre, en fait. Ah oui, carrément, hein. Par contre, moi, je me gêne pas pour leur dire qu'ils sont bons pour terminer dans une prison remplie de latinos et de blacks, hein. Et que généralement, là, c'est pas eux qui vont tenir la... Et qu'est-ce que je voulais dire, d'où... Donc eux ils cherchent l'ordi, ça veut dire qu'ils l'ont pas. Alors il y a peut-être des chances pour que ce soit José qui ait l'ordi justement. Ça c'est peut-être bien possible. Mais c'est pas logique. Oui. C'est pas logique parce que celui qui a l'ordinateur c'est le tueur en fait. Le tueur oui bah oui. Par contre moi je soupçonne que le tueur il soit au courant que José est encore en vie. Ouais, par contre, et que du coup que José se cache du tueur. Oui et José peut identifier le tueur parce qu'il était avec lui dans la camionnette. Donc, a priori, il faut impérativement... Alors, il faut aller voir le chef pour dire que José, c'est la personne à retrouver démêler toute l'affaire. Et donc, priorité sur avis de recherche. Quoi. Ouais, et ça veut dire qu'il faut absolument qu'on aille voir le substitut du procureur pour avoir le mandat pour regarder les bandes de la vidéo du garage, là, du box. Ouais, et ça veut dire surtout qu'on va faire des heures sup et qu'il va falloir une deuxième ration de café, la vie de FBF. Il est 7h du matin. Non, bon, exactement, c'est bien ce que je disais. Bah moi, mon dossier, j'ai commencé à le préparer pour le substituer. Il faut refaire un jet parce que t'as oublié de le faire, mais pour moi, tu l'avais fait en même temps que t'avais fait les demandes, les autres les trucs. Oui, d'accord. Bon, si tu veux, j'en fais un. Mais, donc, je suis à 5, c'est... J'en ai 3 de réussite. Ouais, donc, clairement, ton dossier est prêt et maintenant il va falloir que tu voyes le substitut du procureur pour lui expliquer. Parce que là, ça commence à taquiner. Et surtout que vous avez arrêté 3 personnes. C'est-à-dire que vous avez fait quand même votre première arrestation pour l'enquête. Hein. Ça me fait plaisir d'avoir arrêté. Ouais, ça avance. Bon. Donc là, la question c'est sur ce coup-là, franchement, en termes de temps, il vous reste assez pour faire vos rapports de la soirée avant la fin de la journée. Après, vous pouvez étendre dans la journée et prendre des heures sup, ça ne gêne pas. Mais techniquement, il vous reste qu'une heure pour faire tous les rapports compulser quoi. Ouais, bon, le plus important, c'est de dire au chef qu'il faut progressivement foutre des moyens pour retrouver José.
Diffusion de dans toutes les bagnoles de police, portraits, photos, La question qui se pose dans ce genre de cas, c'est est-ce qu'on donne aussi des moyens publics, c'est-à-dire est-ce qu'on fait une annonce via la communication du COPS que cette personne est recherchée non et bah, est juste... en danger de mort, par exemple. Non, parce que enfin, le flic est le cucuslan hein, et justement, il vous demande qu'est-ce que par rapport à l'enquête. Le cucusson le recherche enfin, déjà, et à mon avis, c'est exactement, la ça a hobby de prendre la décision du truc. Ouais, mais c'est bon, ça. Oui. Voilà. Si on regarde les choses objectivement, le cucusson le recherche, et à mon avis, s'il le trouve, il est mort. Le tueur doit le rechercher, et s'il le trouve, il est mort. Donc, si nous, on peut essayer de faire en sorte qu'il soit repéré le plus rapidement possible et qu'on ait l'information, on le sauve. C'est pas dit que si le cucusson le trouve, il meurt. Je pense que si le cucusson le trouve... Ils vont lui faire le même truc, c'est-à-dire le tabasser, pour essayer de savoir qui est le tueur, parce que c'est le tueur qui a l'ordinateur. Le problème, c'est que si le cucusson ne croit pas que c'est bien une autre personne... Alors, ils sont persuadés que c'est lui qui a l'ordinateur, et à mon avis, alors, je mise pas sur l'intelligence des membres du cucusson. À côté de ça, je pars du principe que, comment s'appelle, les trois autres ont continué aussi leur enquête de leur côté, et vous donne cette info suivante. À savoir que depuis l'affaire de cambriolage, le Ku Klux Klan s'est désengagé de la société Protect 3000. A clairement annoncé qu'il allait intenter un procès parce qu'en fait ils ont pas rempli les contrats qu'ils avaient faits en termes de sécurité dans le bâtiment. Bah ouais. Non, a priori, ce qu'ils ont trouvé, c'est publiquement, c'est que a priori, normalement, le bâtiment devait être protégé, sous surveillance, qu'il devait avoir plus de monde, qu'il devait avoir un poste de sécurité qui était viable, et tout ça ne marchait pas. Et en gros, c'était leur principal, c'était, le Protect 3000 avait comme seul client le QQ100, qui leur a dit, allez vous faire foutre. Et donc, s'ils retrouvent leur vie, ils récupèrent leur job. Ouais, je... Oui ou non. Si par hasard... Si par hasard, dans le bas... En fait, toute la branche QQ100, Charles Ryan, tout ça, ils se sont désengagés de ces mecs-là pour pas être mouillés quoi qu'il se passe. D'accord, pour se protéger. Si par hasard, dans le bâtiment de sécurité 3000 machin, là, je tombe sur un ordinateur et que je peux mettre sur clé USB la liste du personnel, je prends, hein. Oui, tu la trouves, hein, tu la trouves, clairement. Tu la trouves, et puis de toute façon, vu ce qui s'est passé, c'est-à-dire la séquestration dans les bureaux de la société, plus ça, je veux dire, la société, elle va pas durer longtemps, et la liste du personnel, tu vas la voir, hein, tu l'as sans problème. Ouais. Il n'y a pas de piratage à faire et tout, je veux dire, l'affaire est trop grave pour que tu n'aies pas les autorisations de la prendre. Voilà. Clairement. Et ce qu'il faudrait, c'est faire cracher aux autres qu'est-ce qu'il y avait sur cette foutue liste, n'empêche. La liste oui. Sur laquelle c'est pour ça que c'est pour ça que moi je ce que je ferais c'est que je ramènerais tout le monde au poste, je ferai le rapport, je les laisse mijoter en salle d'interrogatoire le temps de rédiger les rapports, pas de café, pas de thé, de la musique à fond pour pas les rêver, et le chauffage à fond ou la clim à fond selon les périodes de l'année où on est, plutôt le chauffage et après. Voilà, et après, une heure et demie après tout ça, eh ben, on va les interroger tranquillou bilou. Avant de partir. Voilà. De toute façon, il va falloir les interroger avant parce que... Oui, pendant qu'ils sont chauds, là. Ouais, pendant qu'ils sont chauds, et surtout, éviter qu'en fait, on vous les sorte, qu'il y a un avocat qui passe quand vous n'êtes pas là, et qu'il vous les sorte quand vous n'êtes pas là. Le genre de truc, pas forcément... Qui arrive tout. Sachant qu'ils n'ont pas demandé d'avocat, hein, pour l'instant. Donc, avocat commu d'office, donc ça sera pas tout de suite. Ok. Bon, on refait nos rapports. Ouais. Le temps que vous fassiez vos petits jets de rapport, moi je vais aller me chercher un truc à boire parce que j'ai la gorge sèche. Ok. T'as à la tout de suite. Gorge de fesse. Oui, ça cesse. Mais la bouche cesse. Et heureux. Alors, je me mets sur la page de l'interrogatoire pour pas me tromper dans les trucs. Et vous me dites quand vous voulez et par qui vous commencez. Et comment vous y prenez. On va les observer un peu pendant le trajet pour voir un peu comment les lire un petit peu.
Dans ce cas, je crois que c'est... psychologie. Ouais, ouais. Je suis en train de vérifier. Ouais, vous allez me faire les jets pour Dany. Vous allez les observer pendant votre... Même pendant votre... pendant que vous écrivez les rapports. Et ça va être... éducation, psychologie. Donc, 4... c'est 6. 3 fois. Chacun, s'il vous plaît. Alors... j'en fais un. Ah. Alors, 4d6, je dis. Mmh. 4c6, pardon. Allez. 3. Et 2. Ok. Alors, dans l'ordre. Donc, pour Paul, d'après ce que a observé Dany, va falloir plutôt y aller de façon agressive hein, sur Paul. Par contre, sur Marc et Martin, soit inquisiteur, soit amical, hésite un peu entre les deux en fait. Dans tous les cas, gentil flic et peut-être méchant flic, ça doit passer. Voilà. À partir de là, je vous laisse soit le faire en roleplay, soit me le faire juste en pur dé, hein, comme vous voulez. Alors, quelqu'un se sent de faire en roleplay, parce que moi, pas moi. Moi, je vais m'occuper de Paul Gardner. Sachant que vous pouvez faire un interrogatoire à plusieurs, c'est-à-dire vous êtes plusieurs avec la personne, et passer de l'un à l'autre, vous donner la réponse si vous voulez, ça ne me gêne pas du tout. Comme si j'aimais en mode éloquence, je peux faire vraiment du carton, mais alors... Alors en fait, ce que je t'ai donné là, c'est les indications. Toutes ces indications, tu peux les faire en éloquence, en rhétorique, ou en... Alors là, moi la question que j'ai, c'était Martin Klaus qui tenait le point américain, c'est ça? Ouais, ouais, c'était Martin qui avait le point américain et Paul qui avait l'arme à feu. Le dernier était là, il avait une arme sur lui, mais il l'avait pas sortie. Le dernier, c'était Jawad. Il était là, mais il savait pas. Alors, Paul, c'est celui qui faisait le flingue. Okay. Paul, c'est le flingue. Il faut y aller de manière agressive. Ouais. Oh, c'est facile. Je peux vous donner des exemples pour chacun des trucs, c'est-à-dire éloquence, intimidation ou rhétorique, façon agressive, inquisiteur. Ouais. Ben, moi, je vais aller voir Paul, je vais me forcer Paul. Okay. Tu veux que je vienne avec toi Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. On va regarder derrière la vitre. Est-ce que tu veux que je te donne des indications par rapport à ce que ça peut donner? Alors toi, c'est intimidation, c'est ça? Ouais, mais j'ai lu. Okay. En fait, je vais arriver avec le dossier que j'ai sur sa gueule. Ouais. Voilà. Je vais tranquillement m'asseoir. Je vais lui poser, mais bien fort, le dossier devant. Je vais ouvrir et je vais lui montrer toutes les pièces une par une. Donc, l'arme, enfin, la photo de l'arme, le machin, je vais lui dire... alors mon petit Paul, on veut en avoir une grosse et on tape une jeune femme, on la menace avec un flingue, on est prêt à la buter alors que la police est là. C'est pas beau ça mon petit Paul. Etc, etc, et je continue quoi, je le bombarde en fait, bombarde de trucs et je laisse pas parler à quoi. À la fois de questions, d'affirmations et... Ouais. Tout en rajoutant qu'à chaque fois qu'il va en prendre pour 10, 5, 15, 20 ans. Ouais, et surtout, je l'insulte régulièrement, mais sans être impoli, tu vois, sans traiter de gros con ou truc comme ça, mais je lui fais croire qu'il en a une petite, que. Voilà. Alors, que, on manie un gros flingue devant une flingue parce qu'on a besoin de compenser quelque chose, mon petit Paul Exactement. On en est au point que le Viagra ne marche pas. Tu le noies, tu le... Bah je relis, hein. tu le rabaisses, ouais, tu en mets plein la gueule. Ouais. Oui. Le mec, juste, bah déjà, il s'attendait pas à que ça aille comme ça. À chaque fois qu'il lançait d'en placer une, a priori, bah tu boum, et tu fais ton... Oui. Tu vas me faire ton jet. Ah, tu la joues rookie, toi. tu... Ouais. C'est pas le temps de faire quelque chose, tu lui fous grosse patate, fais, et t'en fais. Donc c'est intimidation. Intimidation, c'est sang-froid. Hein. Ouais. Moi, je vais faire aussi son jet à côté. Oh putain! Attends. Bon, t'as bien un point d'ancienneté là? Non, mais j'ai un stage.
J'ai un stage qui me permet de relancer un échec et j'ai eu un succès. Donc voilà. Mais c'est déjà ça. Alors, un jet de compétence interrogatoire à l'opposition d'un jet de résistance dans le tuteur. C'est le jet de résistance que j'aime à comprendre. Alors, le seuil du jet de résistance sera de 6 sans éventuel bonus de résistance. Ah oui, là pour le coup, il a, oui, bah, il a un malus de moins 2 sur son jet. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse au moins 2 réussites. Pour arriver à 0. Et là, dans le cas présent, il faut qu'il en fasse 3 pour te dépasser. Donc c'est un jet de sang-froid sous 6. Ouais. Bon, bah... Ok. Bah le mec, il sait plus où donner de la tête là. Tu l'as assommé. Du coup, dis-moi ce qu'il y avait sur cette putain de liste. Pour l'avoir, avoir les réponses que tu veux. Et tu comprends pourquoi on l'appelle Headshot maintenant, hein? La marge est de 2 par rapport au, à la réussite. Donc, vas-y. Ouais, du coup, moi je lui demande qu'est-ce qu'il y a sur cette fameuse liste. Et dans l'ordinateur qui a été dérobé. Alors clairement, je suis pas sûr. Hein. Ce que je comprends, c'est que ça fait partie de. C'est une des listes les plus importantes du Ku Klux Klan. Et ce qu'on sait par rapport au Ku Klux Klan, c'est que la liste la plus importante, c'est la liste des membres. Oui, c'est ça, c'est les adhérents en fait. Mm-hmm. C'est sûr que si un mec balance en public, genre Anonymous, la liste des membres adhérents du Ku Klux Klan, ça risque de faire des vagues. Tiens, comment ils savaient que. Comment ils ont appris. Enfin, ça, je demande aux autres. Comment ils ont appris que c'était. Comment il s'appelle Rosé, là, qui faisait partie du squad. Ça n'a pas été publié, ça. Ou qui est leur donneur d'ordre au Ku Klux Klan, tiens, demande. Non, c'est pas toi qui pose des questions, là, pour le coup. Tu peux lui donner. Non, moi, ce que je. Qui parce que ouais, ce que je veux savoir, c'est comment ils ont lié la disparition de ça avec José Reinhardt. Lui, il sait pas, il n'est qu'un simple exécutant. On lui a dit de trouver José et la liste. Pour le reste, il sait pas d'où comment. Et qui lui a dit ça? Son chef. Le gars qui dirige, comment ça s'appelle? Quelle idée? Fascan, machin. Sécurité, Protec 3000. Protec 3000. Eh ben, je vais demander un mandat pour ce monsieur. Alors, le nom. Tac, et boum. Donc, nous avons You Peter. Tu l'as pas déjà fait intervenir, le mec, le patron de... De 3000, normalement, non. Non, vous avez eu plusieurs personnes, mais pas le patron de 3000. J'ai marqué tous les trucs et normalement il y est pas. Hein. Ah, il me semble qu'on l'avait eu par téléphone au moins, sans avoir peut-être avoir le nom. Campbell, il est là. Ah. Sean Campbell, patron de Security 3000. Oui, c'est ça, je l'ai sur ma fiche, effectivement. C'est lui. J'ai un point d'XP. J'ai pas un point d'XP pour ça. Non. Ça justifie pleinement de. Un mandat d'arrêt contre Monsieur Campbell. Je vais lui faire sonner ses cloches. Alors le monsieur en question actuellement doit dormir tranquillement. Il a pas encore dû être prévenu de ce qui arrivait à sa société. Eh ben on va lui envoyer la police et puis on va voir. Ça aide à se réveiller d'un coup, ça. Faut faire quoi pour ça, d'arrêt. En termes de procédure. On peut l'arrêter dans le cadre de alors, l'enquête. La question que je vais avoir avec le gars que j'ai en face de moi, c'est est-ce que les méthodes employées, enfin les méthodes qu'ils ont employées sur la fille, c'est les méthodes que Sean Campbell a demandé. Alors là, il cogite. En gros. Il est en train de se faire un peu dessus. Non. D'accord, c'est une aveu. T'es sûr? Parce que si c'était le cas, tu ne serais que l'exécutant et lui serait le vrai coupable. Oui, mais non. Il y a une petite perle de sueur sur le côté de son front. À mon avis, si tu fais une confrontation, ça pourrait être intéressant. Mais
Moi, je dis que ça justifie déjà largement le mandat d'arrêt contre Campbell. Oui, t'arrêtes pour au moins l'interrogatoire, hein, parce que a priori, il vient d'être dénoncé comme comme un donneur d'ordre. Ce qui me laisse penser qu'on pourrait peut-être coller le meurtre de Ferdinand Carter sur Sean Campbell, en fait. T'inquiète, hein. Là, parce que le meurtre de Ferdinand Carter, c'est comment il s'appelle? C'est John, ou je sais plus c'est lequel des quatre qui l'a fait. Hein. C'est la fille. Mais oui, c'est. Non, c'est, mais c'est... effectivement, mais si c'est lui qui a donné les infos pour que le cas a lieu, il en devient complice de la mort. Ouais, okay. On n'a pas encore fait le lien hein, entre les quatre mercenaires et Protect 3000. Ouais, surtout qu'il en manque encore 3. Ouais, en plus. Bah oui. tu parles des. Des mercenaires. Non. Des mercenaires. Parce que s'il y a 4 mercenaires et plus 3, ça fait 7 mercenaires. Et ça, c'est cool. Oula. Putain. Ça fait mal à la tête, là. Bon, alors, dites-moi. Je sais pas si Lynn en a terminé avec Paul. Je pense que oui. Moi, je vais m'occuper de Martin, moi. Ça va être cool. Ok. Ouais. Dis-moi, tu veux le prendre comment, le Martin? Alors, je te demande de garder ton calme. Oui, non, mais je vais enfin, je te laisse faire, mais... Je vais y aller en intimidant. Tu peux regarder derrière la vitre si tu veux, y a pas de souci. Comme on Martin est un petit peu... Très en intimidant, ce brave homme. Alors, attends. Je pense que la souplesse serait pas mal. Alors... Donc, juste, je te lis intimidation. Est-ce que ça donne en inquisiteur, est-ce que ça donne en amical hein. Un inquisiteur, c'est l'interrogateur principal, harcèle son interlocuteur en le reprenant sur chaque phrase, sur chaque réponse, et ne le laisse parler uniquement le temps de préparer sa prochaine slave de questions. En amical, ça fait l'interrogatoire se transforme en grand frère de son interlocuteur, sympathique, compréhensif. Il sait toutefois rappeler qui il commande et qu'il est inutile de chercher à lui mentir. Une telle attitude n'exclut pas la violence physique, une petite taffe sur la tête de temps en temps, et peut-être parfaitement donnée de manière amicale. Non, je pense qu'on va y aller carrément inquisiteur avec celui-là. Alors, ok, vas-y. Dis-moi comment tu t'y prends. Eh ben, c'est simple. Donc, on va faire la même chose. On va rentrer dans la salle avec ce brave homme qui attend. Regarde. On va déposer le dossier. On va même pas ouvrir le dossier. On va faire. Alors. La gueule. Senior Cross. Et là, c'est mal barré pour vous. Eh oui, c'est mal barré pour toi, mon vieux. Parce que, bon, déjà, tentative de meurtre. Hein ? C'est toi qui avais le flingue sur la tête de la nana. Non, c'est pas lui. Non. Ah non, c'est le point américain, oui. Pardon. Justement, tentative là, de meurtre, oui. Tentative de meurtre, bizarrement. Tentative de meurtre, t'as essayé de tuer quelqu'un à main nue. Alors ça, c'est ça, ils adorent ça, dans les tribunaux. Ça fait... C'est limite l'espèce de tueur en série, là, c'est bon. C'est le plus, grand gagnant du jour. On va tout forcément un cambriolage chez José Reynard. Entre-temps, pendant qu'il y a l'interrogatoire, les empreintes des gars comparées à celles à l'effraction aux empreintes trouvées justement chez José Reynard correspondent. Oui, forcément, ça, on s'en doutait bien. Oui, mais bon, tu as la confirmation. Voilà, c'est ça. On va bien trouver aussi de petits trucs en plus en creusant bien. À mon avis, t'es parti pour faire au minimum 25 ans. Et vu comment t'as l'air d'être bien parti dans ton karma, je peux t'assurer que tu vas te retrouver dans une prison de Black ou de Latinos. Allez, lâche ton jet. On va voir comment il réagit à ça. Alors, moi, pendant ce temps, je peux demander je vais aller voir Rick et je vais lui demander s'il se souvient de sa conversation avec la copine, ouais. Si elle lui a semblé sincère. Dans le sens que, est-ce qu'elle aurait pu savoir la localisation de son mec, mais qu'elle jouait le jeu pour nous faire croire qu'elle le savait pas? Bah, en même temps, il y avait entre les messages qu'elle a laissés sur le téléphone et le fait qu'elle soit pointée pour dire j'arrive, pour moi, elle savait pas. Ouais, mais est-ce que c'est pas juste un stratagème pour le mec pour se camoufler, quoi? Bah, t'as vu le risque qu'elle a pris hein? Je sais pas. Moi, je... Continue l'interrogatoire. Ouais. Moi, je pense...
Donc en termes de marge, t'as 0. Hein. Il a moins 1 par rapport au fait que tu t'es parti en inquisiteur. Alors les moins 2 c'était en amical, mais moins 1 en inquisiteur. Donc il fallait au moins 3 pour passer. Donc à 0, c'est une marge de 0. Donc marge de 0, c'est information essentielle au scénario. Donc, vas-y, shoot tes questions. Alors, je fais des questions. Donc, Non, mais je veux pas aller en prison. Bon, pourtant, là, tu vas y passer un certain temps. À mon avis, si t'avais un petit fils, je pense que tu le verras pas, parce qu'il part partir aussi en prison certainement avant que tu lui sortes. Bon, t'es foutu, quoi. Hein. Bon. Enfin, donc, alors, qui vous a demandé de... C'est mon chef. Et c'est qui ton chef? Pas précisément. Pas. Je veux un nom. Sean Campbell. C'est Monsieur Campbell. C'est le chef. Okay. C'est lui qui donne les ordres. Il a demandé à ce que vous kidnappiez madame, enfin mademoiselle machin. C'est lui qui donne les ordres. Moi, j'exécute. Et c'était quoi ces ordres exactement? Il m'a dit de faire ce qui doit être fait. Et donc votre chef vous dit de faire ce qui doit être fait, vous kidnappez une nana pour aller la tabasser. Alors, vous avez bien demandé. Doit être fait. Si le chef dit que ça doit être fait, ça doit être fait. Et qu'est-ce qui doit être fait? Bah, s'il a dit, faites ce que vous devez. Moi, j'ai fait ce que je devais. Et à mon avis, vous étiez en train de l'interroger. Vous lui demandiez quoi exactement? Bah, moi, je posais pas les questions. Hein. Mais t'as deux oreilles, cabron. Si tu veux vraiment que je te charge au maximum pour que t'en prennes jusqu'à 30... Moi, les questions, je les pose pas. On me dit taper et je fais ce qu'il faut. Je tape. D'accord. Tu sais que là, tu viens de te rajouter au moins 10 ans de plus. Moi, je suis payé pour faire ce qu'on me demande. Si on me demande de taper, je tape. Sinon, je vais perdre mon boulot. Et tant qu'on me demande de buter dans ton boulot, tu butes. Bah oui, c'est une société de protection, donc on est amené des fois à tuer des gens. Ce mec va passer sa vie sous ses barreaux, c'est pas Comment dire? Qu'est-ce que demandait celui qui posait les questions? T'avais des oreilles quand même. Ah, des ordinateurs, des machins. Et surtout de trouver José. Ouais, José, il fallait le trouver. Ouais, parce que vous savez pas où se trouve José. Bah non, sinon on le cherchera pas. Et vous l'auriez buté. Bah, on m'a pas dit de taper José, on m'a dit de le trouver. Ok, bon, il a déjà clairement nommé Sean Campbell, ça c'est certain. Alors vu comment il est con, à mon avis, lui, il va rester derrière les barreaux, alors jusqu'à perpète. Et à mon avis, je vais voir Rick pour dire que s'il interroge le dernier, c'est comme c'est lui qui posait les questions. Ouais. Je pense que c'est lui qui va falloir de cuisiner pour avoir le maximum d'informations. Oui. Ah ouais. Pour le coup, on peut t'assister. Oui, bah oui, vous pouvez m'assister, moi ça me dérange pas. Par contre, j'ai envie de faire les tests d'interrogatoire, moi. Oui, bien sûr. Pas de soucis, vas-y. On va te laisser faire, mais y a pas de problème. Ok. Tu veux y aller comment? Rhétorique, éducation, éloquence? Attends, éloquence. Éloquence, et après? Bah ça donne quoi, les deux trucs, l'inquisiteur ou sympa? Inquisiteur, l'interrogateur prend un peu plus de recul par rapport à son interlocuteur. Il s'acharne toutefois à le pousser dans ses retranchements de manière plus délicate qu'un interlocuteur agressif. En agressif, ça donne l'interrogateur cherche à pousser son interlocuteur dans ses retranchements tout en lui expliquant qu'il le comprend et qu'il n'est que là pour l'aider. Et en sympa, ça donne quoi? Sympa, l'interrogateur est votre ami. Il ne parlera jamais directement du sujet principal de l'interrogatoire. Il s'arrangera pour toujours laisser son interlocuteur initier le dialogue sur les points délicats de la discussion. Ces interrogatoires sont souvent plus longs lorsqu'ils se déroulent de cette manière. Ouais, tiens, je vais tester en sympa. Est-ce que tu... Donc, tu dis-moi, hein, comment tu t'y prends? Parce que bon, je t'ai donné à peu près le truc, mais... Moi, je sais que c'est Sean Campbell qui est le donneur d'ordre. Ouais. Oui, on t'a communiqué l'info, ouais. Ouais. Bon, j'arrive avec mon dossier, je regarde, elle a l'air un peu embêté. Sean Campbell vous a vraiment demandé de faire tout ça à ces personnes-là pour récupérer une liste et un ordinateur. Et enfin, tu vois, pour genre, faire... boum!
Fais-moi ton jet. On va voir comment on ça. Juste pour savoir comment il va y réagir à ça. Et par contre, je lui. Alors, c'est. Interrogation 4D. Et c'est bien qu'on finisse par le. Par le celui qui posait les questions, en fait. Le pense charme. Ouais, bah c'est 4D6. Hein. Le 4C6, pardon. Allez, de la réussite. Sachant qu'il a moins 2. Donc ça fait 3 de 3. Bon bah ouais, ça va. Alors, oui, de toute façon c'est Sean, hein. C'est Sean qui nous a tout demandé. Il voulait trouver ce gars là, José, il voulait trouver l'ordinateur, il voulait trouver la liste du Ku Klux Klan. C'est lui, ouais, clairement. Après, c'est qu'un exécutant, hein, comme nous. C'est ceux qui donnent les vrais ordres, c'est le Ku Klux Klan, quoi. Bon, après, il y a cette histoire de perdre les contrats et tout, mais c'est un écran de fumée pour calmer tout le monde. Mais moi, il y a une question que je me posais, c'est dans vos questions, là, quand vous demandiez pourquoi il avait tué les quatre mercenaires, c'est que vous saviez, en fait, que... De toute façon, des informations qu'on a eues, ça serait José qui aurait tué les gars d'en haut. De toute façon, qui d'autre? Ils étaient bien cinq, non? De toute façon, des informations qu'on a eues, c'est marqué que dans. On nous a dit qu'il y avait cinq personnes dans le van. Donc, forcément, voilà. Non, mais il y avait, on nous a dit, voilà, le gars, des informations que ce qu'il m'a dit, comment il s'appelle, Campbell, c'est que notre topoka au LPD, il a dit qu'il y avait 5 empreintes différentes dans le van. Ouais, votre topoka. Oh, Campbell, je vais me le faire. Oh, je vais me le faire. Il va cracher le nom du mec qui est au LPD. Hein. Et j'ai dit, non, mais c'est. En quoi c'est important le fait de savoir pourquoi il a tué les quatre mercenaires, enfin... C'est ça, c'est juste qu'on sait pas pourquoi ces mecs sont morts, en fait. Pourquoi il les aurait tués, on les connaît pas, nous, ces gars, et ils mettent des cadavres chez nous, en nous piquant un ordinateur. Ces mecs sont là aussi pour piquer l'ordinateur, donc forcément, on veut trouver tout le monde. Ouais, non, je comprends, mais... N'empêche que... C'est clair que vous êtes quand même bien informé, hein, parce que j'ai l'impression que vous avez plus... C'est pas ma faute, quoi. C'est la faute de Campbell. Bah, Campbell, c'était clairement le donneur d'ordre avec son contact. Oui, nous, on est juste des employés. Vous savez, si on n'exécute pas ses ordres, on est viré. Hein. Et encore, si on a de la chance. Hein. Mais c'est pareil pour Campbell, hein, mais il tient ses ordres de Kyo, que Ju Klan, en l'occurrence. Hein, je sais pas, ça, par contre. Là, pour le coup, aucune idée. Ouais, vous l'avez jamais vu discuter avec un de ses pontes. Hein. Ah non, moi je travaille pour Sekiru 3000. Bon, de toute façon, c'est une antenne de Ku Klux Klan. Si on a été recruté, c'est parce qu'on a fait, on a tous fait partie un jour du Ku Klux Klan. Hein. Moi, on était dans des mouvements proches. Par contre, c'est la. Ouais, donc en fait, si j'ai bien compris, Campbell ou le Ku Klux Klan recevait ces infos du LAPD qui vous permettaient d'avancer dans vos enquêtes, quoi. Bah, moi je mène pas beaucoup l'enquête, hein. Nous on fait qu'obéir aux ordres, hein. C'est Campbell, hein. C'est Campbell qui dirige l'enquête et qui prend tout, ouais, bien sûr. De toute façon, je vais m'en sortir, hein. c'est pas ma faute. Non, oui, sûr, gamin, sûr. Bon, après tout, ouais. Et la marmotte Vous avez d'autres questions, vous? Parce que vous êtes à côté. Hein. Moi, ce que... Et on vous a donné aucune info, c'était la seule manière que vous avez trouvé Est-ce que quand... José, là parler avec sa copine, clairement on avait trouvé des photos, on voit qu'elle est là, on s'est dit bon bah si elle est toute seule on l'attrape, elle parlera, hein. De toute façon sûr que si elle savait pas c'est pas grave, hein. De toute façon c'est pas vraiment une blanche, hein. D'accord. Ah oui, c'était vraiment la seule et mais lui une petite tape amicale.
Et Sean Campbell, il était au courant que des méthodes que vous aviez en, que vous alliez employer pour son enquête. Oh, bien sûr, il a l'habitude. De toute façon, je veux dire, il nous a appris à poser les questions, quoi. Très bien. Ouais, ben, on voit mais, que ça a été vachement efficace, hein. Je ne vais pas dire en tant que terme de race supérieure, là, vous passez tous les corps. Parce que là, pour le coup, on vient d'avoir assez pour nous demander un mandat d'arrêt. Ah oui, comme belle. Oui, clairement. En termes c'est de témoignage, plus qu'un mandat d'arrêt. À mon avis, là, tu fais un mandat d'arrêt avec une enquête à charge et puis c'est bon. Là. Du coup, je vais lancer des recherches sur ce Campbell pour avoir le dossier, son pedigree, tout ça, quoi. Oui, bah, tu fais vite fait une recherche. Tu me fais, allez, fais-moi un petit jet quand même de bureau, enfin de bureau ou de bureaucratie. Je t'as pas trop le temps là, mais ça va être bientôt la fin de journée. Bureaucratie, je masse quoi. Ah, c'est quand même 8. Ouais, de succès. Ouais, ça devrait aller pour avoir le million d'infos. Quoi. Alors, Sean Campbell, il habitait au Texas jusqu'en 2020. Il a été. Vous trouvez dans. Tu fouilles un peu les archives et tu trouves en fait que. Il s'est fait. Il était recherché encore au Texas pour des meurtres. Et du coup, il n'y a pas d'accord d'expatriation Non, je suis trop fatigué. Dans la paperasse, de toute façon, durant l'indépendance. Et qu'on retrouve sa trace en Californie, il y a de ça 2 ans, où il monte une société de sécurité, Security 3000, pour en partenariat avec le KKK, avec d'ailleurs comme seul client le KKK. Moi, j'ai posé une question quand même aussi, je lui dis, mais les infos que vous aviez, c'était Campbell qui les recevait ou c'est directement hein? Oh, sûrement. Donc, il connaît la taupe, Campbell. Oui. Où il était mis en relation. C'est pour ça qu'il faut qu'on chope. Il faut bien faire des... Bon. J'ai pas grand-chose d'autre à demander. Non, bah, bon, là, je pense que là, ouais. Je vais juste conclure pour la soirée. Ouais. Vous allez interpeller Campbell chez lui? Bah oui, on va dire. Ouais. La chose, c'est interpeller Campbell et voir la vidéosurveillance. Ok. Bah non, mais de toute façon, vous n'avez pas le temps, c'est juste pour finir. Vous arrivez, alors, le Campbell, il habite à Hollywood. Je crois que c'est Hollywood, hein, faut que je vérifie. De toute façon, il habite dans un truc bien friqué de Los Angeles. Enfin, je vérifie quelle adresse, j'ai pas l'adresse exacte. En tout cas, ce qui se passe quand vous arrivez là-bas, vous trouvez sur sa pelouse une grosse croix avec un mec qui est en train de brûler. Ah, c'est Campbell. Ouais, et c'est générique de fin. Oui, à mon avis, je pense que le KKK a eu vent qu'il y a eu une arrestation. Et ben... on appelle, on prévient la police. Ouais. Alors si je trouve le numéro de téléphone ou la boîte mail de Campbell et qu'il a reçu un email d'un agent de police ça va chier. Dans les prochaines semaines, ouais, ça va chier grave, ouais. Mais ça... Par contre, c'est bien la première fois que c'est une lumière. Ah bah, tout flamme. Hein. Ça fait ça. Bah, fin pour ce soir, j'espère que ça vous a plu. Ah oui, c'était bien. Là je me suis ouais, bien senti. Ouais, c'était sympa. Ouais. Là, je pense que là, on a une bonne équipe de flics. Hein. Mm-hmm. Ça commence à se démêler un petit peu, toute cette histoire. Bon, il manque un peu deux personnes, quand même. Ouais, il manquait deux personnes, je suis d'accord avec vous. Oui, mais manquait les deux brutes, ça va. C'est pas grave, on... Par contre, on peut très compenser. Content qu'on ait rapidement tilté sur la petite amie, parce que... On avait l'air con quand même si elle était morte. Et qu'on ait bien réussi. Là, heureusement qu'on a pu avoir rapidement le dossier, n'empêche, hein, parce que ça va être un peu compliqué sinon. Bon, sinon là, en effet, je pense que je vais me coucher direct. Hein. Je passerai pas par l'hôpital après, parce que vu les heures sup qu'on a faites, c'est une route bon, on peut dormir dans le commissariat, non? Alors, ouais. T'as une salle de repos là où il y a tout le monde. Sinon, il faut que tu t'installes. Tu refasses ton bureau pour avoir un lit dans le bureau, quoi. Sinon...
Ouais. Non, mais bon, on n'en était pas à ce point-là quand même, mais bon, là c'est quand même une journée à Ah, 10 faveurs, hein, donc. Après, comme je dis, Je... il y a une salle d'interrogatoire, De d'interrogatoire prison. ou une salle des fois de. On met des, Une qui est prison. souvent réservée pour dormir, en fait, une salle une cellule qui est réservée aux cops pour dormir, où on met personne dedans à chaque fois pour que les cops puissent dormir s'ils ont envie de dormir sur le bureau, quoi. Mais pour le coup, je pense que mon perso serait assez serait du genre à se laisser tenter de dormir. Alors peut-être de réaménager son bureau pour dormir, mais plutôt. À voir, quoi. Bah, vu les heures sup, moi je vais dire bonjour à ma copse. À ta copine, ouais. Tu m'étonnes. Je dis, ça avance. En tout cas, j'espère que ça vous a plu pour ce soir. Ouais. Ouais, non, ça nous a plu. Puis ça donne des Ouais. perspectives intéressantes, puisqu'il y en a un autre qui ici dit nommément le Ku Klux Klan. Donc ça voudrait dire que on pourrait carrément mettre en difficulté le Karl de Fontané, là, le chef du KKK. Oui, maintenant, est-ce Ah qu'il y a bah... Ça remonte doucement vers lui, mais je pense qu'il va couper les ponts avant qu'on arrive sur lui, hein, mais... Oui, mais il Non, les mais faut coupe de qu'on trouve la manière un peu taupe. brutale, à mon C'est avis, donc oui. pour moi, si on trouve, faut qu'on trouve la taupe déjà, c'est quand même super important. Ouais. Il fait plus la politique de la terre brûlée, il fait la politique de l'adhérent brûlé Mais je maintenant. pense que ça va être important de regarder la bande, hein, parce que peut-être qu'on va avoir un truc Ah oui, surprenant. non, mais de toute façon, il y a plusieurs pistes à explorer, hein. Par contre, Ouais. ça précise bien qu'en fait, sur l'ordi qui a été piqué, il y a la liste des adhérents. Maintenant, comment le type qui a piqué l'ordi a su qu'il y avait la liste des adhérents? Et bon, il y a 36 000 raisons pour publier la liste des adhérents du Ku Klux Klan. Maintenant, il faudrait trouver la bonne pour déterminer quel est le tueur et qu'est-ce qu'il veut en faire, quoi. Est-ce À qu'il veut la payer des monnayer? mercenaires pour le faire. Oui, voilà, Ouais, c'est c'est ça. ça. Est-ce qu'il veut la monnayer? C'est sûr que c'est le genre de truc, les autres seront prêts à payer des 100 et des 1000 pour éviter que ça soit connu. Donc, Moi, ce que je c'est comprends pas, c'est la question. Ce que je comprends pas, c'est la battement question, c'est vénal. Ouais. pourquoi les mecs ils tabassaient, qui veulent savoir où est l'ordi, la liste, où La sont les biens. question. Mais pourquoi il a tué les quatre mercenaires, José? C'est pas José, je pense pas que C'est c'est pas José qui José, l'a je pense tué. que Non, non, mais quand t'es il y en posé a la en question. plus en fait. Il y a le tueur et il y a José. Hey, José, il a réussi à s'en sortir par le plus attends. grand des hasards, mais. Juste une question. Si jamais ils ont accès à nos dossiers, ils sont censés savoir qu'il y a une autre personne? Alors, ils ont peut-être pas accès au dossier du COPS, ils ont peut-être accès au dossier. Parce que. Aux Procureur ou un truc communications comme ça. radio, etc. Ah, ou ça peut être à la scientifique, ça peut être par exemple Ouais. un mec de la bombe squad, ça peut être. Tu sais, ça dépend, C'est. tu sais, à quel Dans niveau c'est le mec du radio. combien de rapports Je te rassure, on ça peut dit. pas être moi. Dans combien de rapports on parle qu'il y a s'il y avait une sixième personne en fait? C'est la plupart des rapports qui sont pour le COPS, quoi, pour le Ouais, coup. c'est ça. Ouais. La sixième personne, il y a juste la balistique qui parle d'une cinquième personne, mais à aucun. Et le seul moment où vraiment tu peux avoir la sixième personne, c'est quand c'est les vidéos de surveillance. Mais les vidéos de surveillance, il y a que vous qui les avez vues. Vous les avez relevées, vous avez dit où sont les trucs, etc. En dehors de ça, il y a personne d'autre qui sait. Il y a que ces rapports-là où vous êtes sûr en fait qui permet Voilà, c'est d'identifier ça. six On n'en est personnes. pas sûr, mais de toute façon, Bah le si, t'en es profil sûr, de t'as vu jeu. 5 personnes descendre d'une voiture et t'as vu la voiture repartir, donc forcément, il y a 6 personnes. Oui. Ouais. Oui, La il y a 6 voiture aurait personnes, pu être donc il y a les télécommandée, 4 mais plus bon. le conducteur plus le tueur. Oui, c'est vrai que Ouais. la voiture aurait pu être télécommandée. Maintenant, vous avez retrouvé la voiture et il n'y a pas Oui, il de. n'y a pas de télécommande, elle est Y a pas de trop. système, Il n'y quoi. a pas de système, je vous l'aurais dit sinon. Et de toute façon, le profil de Mais un José cadre Terminator pas. Le produit la mec voiture. qui a C'est un piqué trou les du cul, le quatre mec. mercenaires, Oui. c'est un professionnel. Or, José, c'est Ah tout sauf oui. un professionnel, quoi. C'est un C'est cave. un mec qui a fait le stage du LAPD niveau 2 d'armement. Voilà, moi je vous le dis. Voilà, c'est ça. Mais José, c'est un cave. Donc, c'est clair que ça ne peut pas être lui. La question c'est comment Maintenant, ils se retrouvent embargués là-dedans aussi. La À mon question, c'est où avis, est-ce qu'il se cache, quoi? ils avaient besoin d'un chauffeur, ils l'ont recruté parce qu'il était disponible, il venait de perdre son boulot, et le mec a dit oui Comment parce que par quel c'était. biais ils l'ont connu? C'est pour ça qu'il faudra peut-être qu'on se Ah penche oui? aussi à un moment sur sa Moi, propre ce qui, biographie. moi, ce Parce qu'il est que. membre du Ku Klux Klan, peut-être. Bah justement, c'est pour ça que j'ai demandé à sa copine si Peut-être jamais il y avait des sympathies pour certains mouvements, il y a non. alors Ah, peut-être qu'il s'est fait Steven, ne virer. crie pas sur les toits. Clairement, Hein. clairement, c'est vrai que je voulais pas. Vu que vous avez sa photo et c'est vrai que je l'ai pas précisé, José est typé latino. Hein. Ouais, d'accord, donc c'est pas un membre du Ku Klux Klan. Non, mais par contre, peut-être qu'il
que comme il travaillait à l'aéroport, il était en contact avec des gens qui lui demandaient de faire sortir des choses. Ouais. Il s'est fait choper, il s'est fait virer. Et les mecs qui lui ont demandé de faire sortir des choses, typiquement, bah, c'est des mercenaires, des choses comme ça. Et il a demandé à se faire refaire, à se refaire à niveau fric. Vu que maintenant il est recherché, il faudra demander à l'AX, aller à l'AX et interroger ses collègues, ses supérieurs. Je pense que ça serait pas idiot hein, d'essayer de savoir pourquoi exactement il a été viré. Ouais, interroger les supérieurs et ses potes. Ok, ouais. Bah, ça sera pour la prochaine fois. Voilà. Oui. Ouais. Allez les gens, moi je me prépare parce que j'entends une autre partie demain et après je fais mon voyage. Donc... Mais en tout cas c'était cool, bon, oui, je pars à Milan mercredi. Et tu reviens pour lundi? Et je reviens pour lundi, oui, Milan, j'y suis que je pars mercredi après-midi, mercredi soir, je reste jeudi et je repars vendredi début d'après-midi. Ok, bon bah je vais arrêter l'enregistrement du coup. Et ben un petit montage pour retirer un petit truc dedans.